Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce grand amphi de la Sorbonne au nom de Monsieur le Recteur qui n'a pas pu être là cet après-midi. Donc je vais me présenter parce que la plupart d'entre vous ne me connaissez pas, si ce n'est personne d'ailleurs. Sabine Bobet, je suis inspectrice en SVT et CAST, c'est un acronyme qui veut dire correspondante académique des sciences et en technologie. Voilà, dans ce grand amphi de la Sorbonne, c'est la première fois que pour la fête de la science, on est dans le grand amphi de la Sorbonne qui peut accueillir normalement 3000 places, hein, et, enfin 3000 personnes quand il n'y a pas de place condamnée. Et c'est vu d'ici, on vous avoue, ça fait un peu bizarre parce que c'est essentiellement ça qu'on voit, mais on va essayer de vous voir vous quand même à travers ces petits placards place condamnée. Cet amphi, finalement, en face, je ne peux pas ne pas parler un petit peu de cette fresque qui a été peinte par un monsieur qui s'appelle, alors c'est Pierre Puvis de Chavannes. Il a mis 2 ans pour faire cette fresque qui fait 4,5 mètres de hauteur et 65,6 dans l'autre sens, qui est finalement une allégorie de la connaissance. Alors, la Sorbonne serait normalement juste derrière l'écran. Et tout à droite, il y a des allégories des sciences. Hein, donc, je ne vais pas commencer par les SVT, parce que ça serait malvenu. Hein, mais vous avez la géométrie tout à droite, la physique avec l'électricité, l'avènement de l'électricité, la petite lumière un petit peu au-dessus. La physiologie, on ne voit pas bien, mais il y a un scalpel et une fiole. Et puis, on reconnaît un petit lézard. Hein, des récifs, finalement les SVT un petit peu à côté. Cette fresque, elle s'appelle le bois sacré de la connaissance. Et je trouvais intéressant de vous donner le nom de cette fresque pour introduire la conférence de Monsieur Klein, qui va finalement interroger, alors non pas la fresque évidemment, mais dans l'idée de sacre, il y a finalement l'idée de vérité dans les sciences, de fait de connaissances intangibles ou pas. Monsieur Klein, qui va se lever peut-être, merci, qui est au commissariat, qui travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Je suis obligée de tricher. Pour l'ARCIM, laboratoire de recherche sur les sciences et la matière, et dans lequel il y a, et c'est ce qui peut-être va être au cœur aujourd'hui, le lien entre la physique et la philosophie, en tout cas les limites peut-être de la physique. Je me trompe ? Je vous laisse, je vous cède la parole. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bien, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, je voulais vous dire que je suis ravi d'intervenir pour ce lancement de la Fête de la Science 2020. Vu d'ici, en effet, le nombre de places condamnées est impressionnant. Et je vous remercie d'avoir défié certains risques pour assister à cette conférence qui va durer 45 minutes. Le reste du temps, je crois qu'on a 2 heures au total. J'aimerais qu'on le consacre à des discussions avec vous, puisque j'aimerais bien savoir ce qui, dans la tête d'un élève de terminale ou de première, féconde l'intérêt pour les sciences ou le désintérêt pour les sciences, parce qu'après tout, c'est possible. Et donc, on essaiera de ménager un temps d'au moins une heure pour la discussion. Alors, évidemment, compte tenu du titre qui a été proposé, on pourrait imaginer que je parte dans des digressions philosophiques sur ce qu'on appelle la vérité. D'abord, est-ce que la vérité, ça existe ?
Est-ce que c'est constitué d'énoncés, par exemple, dont on ne peut pas imaginer de douter? Autrement dit, est-ce que le vrai, c'est le vraisemblable? Ou bien est-ce que la vérité, elle est très loin, elle est très cachée? Il faut la débusquer par toutes sortes de méthodes bizarres. Est-ce que la science peut atteindre la vérité? Et si oui, est-ce que la science l'atteint dans les choses mêmes? Ou est-ce qu'elle a besoin d'invoquer des idées supérieures, un peu comme chez Platon? Bref, c'est des questions qu'on pourrait discuter, mais je vais plutôt les réserver à l'après de ma conférence pour plutôt vous parler de science ordinaire. D'autant plus que un philosophe que vous étudiez certainement en ce moment, je parle de ceux qui sont en terminale, qui s'appelle Emmanuel Kant, disait que tenter de cerner les critères de la vérité, c'est-à-dire tenter d'identifier ce qui permet de dire qu'un énoncé est vrai ou non, qu'il s'agisse d'un énoncé scientifique ou autre, c'est comme, dit-il, traire un bouc. Quand on traire un bouc, il ne sort pas grand-chose. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que ça n'est pas parce que les critères de la vérité sont difficiles à identifier, à énoncer, à énumérer, que la vérité n'existe pas. Bon. Et donc, je vais essayer d'abord de vous faire une remarque sur la science, puisque pendant cette épidémie, hein, qui a démarré il y a quelques mois et qui continue, vous avez entendu, comme tous les citoyens français, beaucoup de scientifiques s'exprimer sur les plateaux de télévision ou ailleurs. Et moi, ce qui m'a frappé en tant que spectateur, c'est de voir à quel point, dans les discours, on confond la science et la recherche, qui sont deux choses complètement différentes, même si évidemment certains liens les rassemblent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle la science, c'est en gros un corpus de connaissances éprouvé au cours de l'histoire par des vérifications, des prédictions, des tests, qui constitue ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la bonne réponse ou les bonnes réponses qu'on adresse à certaines questions qui, elles, sont bien posées et précises. Par exemple, la question qu'on s'est longtemps posée dans l'Antiquité, quelle est la forme de la Terre, est une question dont nous avons la réponse. La Terre est ronde. Elle n'est pas plate. Elle n'est pas parfaitement sphérique. Elle est ronde. Voilà un résultat scientifique dont on peut imaginer, si on est vraiment sceptique de façon radicale, qu'un jour il sera démontré faux. Mais je ne pense pas qu'on pourra démontrer par des arguments scientifiques que la Terre est plate. Donc l'affaire est réglée. Ensuite, l'atome existe. Ça a été un long débat qui a duré plusieurs siècles, même plusieurs millénaires. Aujourd'hui, on sait que l'atome existe. Ça ne veut pas dire qu'on sache tout sur l'atome. Mais l'existence de l'atome est une des choses les plus certaines qu'on puisse dire, puisque si vous la remettez en cause, alors par cohérence, vous devrez mettre en cause beaucoup d'autres choses. De même, on sait que l'univers observable est en expansion. On sait que les espèces vivantes évoluent. Et donc, il y a là un corpus de connaissances qui constitue la science et qui est constitué de ce qu'on pourrait appeler des vérités scientifiques, qui ne sont pas des vérités absolues. Et d'ailleurs, si vous prenez un énoncé qu'on vous présente comme une vérité scientifique, il se peut que dans l'histoire des idées, dans la suite des révolutions qui ponctuent, par exemple, l'histoire de la physique, cette vérité demeure vraie, mais qu'on soit obligé de modifier la façon de la dire. Je vous donne un exemple. Vous savez tous que la Terre tourne autour du Soleil. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on pose tous les ans en Europe, dans un pays d'Europe différent, pour voir comment évoluent les connaissances scientifiques des populations. Il y a 10 questions qui ont été choisies. Parmi celles-ci se trouve la question: est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil? Et si on veut être bien noté, évidemment, il faut répondre oui. Mais quand vous dites oui, la Terre tourne autour du Soleil, vous sous-entendez que le Soleil est au centre, que le Soleil est une sorte de référentiel particulier qui peut servir de référence pour décrire le mouvement de la Terre ou d'autres planètes. Or, vous savez peut-être qu'en 1915, il y a eu une nouvelle théorie de la gravitation proposée par Einstein, qui s'appelle la relativité générale, dont le principe fondamental consiste à dire
tous les référentiels, tous les repères, si vous préférez, sont équivalents. Même les repères accélérés, quel que soit le repère que vous choisissez pour décrire et indexer les événements, eh bien, il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il est différent des autres. Tous les référentiels sont équivalents. C'est ce qu'on appelle la démocratie des référentiels. Et donc, le Soleil, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous faites du Soleil un référentiel particulier puisqu'il serait le centre des mouvements des planètes. Et donc, il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil, mais il faut dire cette phrase d'une façon différente qui ne laisse pas entendre que le Soleil serait un référentiel privilégié. Donc, vous voyez, il y a des vérités de science qui cessent d'être complètement vraies, qui deviennent fausses. Par exemple, on a longtemps cru dans les siècles passés à ce qu'on appelle le phlogistique pour transmettre la chaleur, ou bien l'éther luminifère pour porter la lumière. On sait maintenant qu'on s'est trompé. Donc, ce qui était considéré comme une vérité scientifique est devenu faux. Et puis, il y a des vérités scientifiques qui demeurent vraies, mais on doit, comme je viens de le dire sur un exemple, modifier la façon de les dire. Et bien, c'est ça, la science. Ça a donc quelque chose qui prétend avoir accès à la vérité, au sens où on n'a pas la vérité absolue, on n'a pas la vérité sur toutes les choses, mais à propos de certaines questions bien posées, on estime qu'on a trouvé la bonne réponse. Et puis il y a la recherche. Et la recherche, ça n'a rien à voir. La recherche, ça consiste à se poser, à partir de la connaissance de ce corpus, des questions nouvelles dont nous n'avons pas la réponse. Et donc, il faut aller la chercher. Il faut faire des études. Il faut mettre sur pied des expériences, des protocoles, utiliser des stratégies qui dépendent de la discipline scientifique qu'on a choisie. Les physiciens ne travaillent pas comme les biologistes ne travaillent pas comme les sociologues. Les physiciens ont ceci de particulier que leur théorie s'exprime mathématiquement, sous la forme d'équations, de formalismes, ce qui distingue cette science d'autres sciences qui sont moins appuyées sur des théories mathématiques. Et donc on se pose des questions, et tant qu'on n'a pas la bonne réponse, et ça peut prendre beaucoup de temps, par exemple, je reprends l'exemple d'Einstein avec la relativité générale. Il l'a publié en 1915. Et en 1916, il voit que certaines solutions de ces équations correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui des ondes gravitationnelles. Ben, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles existent ou non? Et Einstein se dit, je pense qu'elles existent, mais je pense qu'on ne pourra jamais les détecter. Et comme vous le savez sans doute, vous êtes jeune, mais peut-être que vous lisiez déjà les journaux en 2015. En 2015, un siècle après, on a pu détecter pour la première fois dans l'histoire les ondes gravitationnelles émises par la fusion de deux trous noirs il y a 1,3 milliard d'années. Et donc, il a fallu attendre un siècle pour passer d'une réponse à la question « Est-ce que ces ondes existent ?» qui était « On ne sait pas ». On pense que oui, mais on n'a pas de preuves. À la réponse « Oui, maintenant, on sait ». Donc après un siècle de doute, on a maintenant quelque chose de beaucoup plus sûr à nous mettre sur la main et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous confondez, comme on l'a fait sur les plateaux de télévision, la science et la recherche? Ben, un chercheur qu'on invite, si on lui demande par exemple au mois d'avril, est-ce qu'une personne qui a été infectée par le virus est susceptible, après qu'elle a guéri, de retomber malade parce qu'elle est à nouveau infectée par le même virus. Un chercheur dit « j'en sais rien » et dans mon laboratoire, on mène des études pour le savoir. Mais si vous invitez des chercheurs qui, comme ça, sur les plateaux, disent « on ne sait pas », est-ce qu'ils seront réinvités? Non. Ils seront remplacés par d'autres personnes beaucoup plus sûres d'elles qui répondront à cette question de façon affirmative en allant bien au-delà de leurs compétences et surtout de leurs connaissances. Et donc, on distille ainsi une image brouillée, puisque quand on regarde les choses de l'extérieur, on se dit que finalement, le rapport de la science à la vérité est ambivalent, puisqu'on nous dit que la science accède au vrai, et en même temps, on nous dit que la science pratique le doute systématique.
Et on confond les deux. Quand on fait de la recherche, on pratique le doute parce qu'on n'a pas les réponses. Quand on se contente de la science, on n'a pas pratiqué le doute, en tout cas pas de façon systématique et radicale, parce qu'on connaît, autant qu'on puisse imaginer connaître, les bonnes réponses aux questions. Et donc, ce que je voudrais vous montrer dans cet exposé, c'est que si je prends la science, plutôt je vais vous donner des exemples de questions qu'on se pose quand on fait de la recherche, pour lesquelles on n'a pas la réponse. Et on la cherche activement. Par exemple, dans le champ de la physique des particules, si vous avez entendu parler d'une particule qui s'appelle le neutrino, particule très bizarre, qui est très nombreuse dans l'univers, qui traverse la matière sans interagir, qui a une masse très faible, on aimerait savoir, mais on aimerait vraiment le savoir, parce que c'est très important d'un point de vue théorique et expérimental, si cette particule est identique ou non à son antiparticule. Ça fait des années qu'on se pose la question, il y a toutes sortes d'expériences dans le monde entier qui se déroulent pour tenter d'y répondre, et pour l'instant, on n'a pas de réponse ferme. Bon. Autre question, dans l'univers primordial, donc après le Big Bang, il y avait de l'antimatière dans l'univers, aujourd'hui, il n'y en a plus. D'où vient qu'elle a disparu? C'est quoi le mécanisme qui, au cours de l'histoire, a privilégié la matière sur l'antimatière? On aimerait le savoir. Il y a des hypothèses, mais aucune n'est certaine parce qu'aucune n'a été vérifiée par un test expérimental ou observationnel qui permettrait de répondre d'une façon certaine à cette question. Et donc, vous voyez, la science, ce n'est pas vraiment le doute, parce que quand vous entendez quelqu'un qui dit « la science, c'est le doute », méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que cette phrase « la science, c'est le doute », c'est le mantra, par exemple, des climato-sceptiques. C'est des gens qui vous disent finalement la science ne peut jamais rien savoir de sûr. Les climatologues nous disent que l'activité humaine modifie le climat. La science est le doute. Donc on a le droit de douter du réchauffement climatique. Et vous observerez que les gens qui disent cette phrase, une phrase d'ailleurs qu'on peut légitimement prononcer si philosophiquement on est partisan d'un scepticisme systématique. Vous avez le droit de douter de tout. Vous avez le droit de douter de ma présence sur cette scène. Au nom d'un scepticisme qui serait votre doctrine philosophique préférée. Simplement, les gens qui disent la science est le doute, vous remarquerez qu'ils ont un scepticisme qui est sectoriel. Ils doutent des climatologues, mais ils ne doutent pas des physiciens des particules. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait une partie de la science qui était dans le vrai et puis l'autre qui était dans l'erreur, l'approximation, l'abus de certitude. Quand on a découvert le boson de Higgs en 2012, une particule qui était prédite depuis 48 ans, personne n'a contesté ce résultat. Personne n'a écrit de livre en disant « ma vérité sur le boson de Higgs ». Personne n'a dit « il faut douter de ce qu'annoncent les physiciens parce que finalement la science est le doute ». Et pourquoi il n'y a pas eu de tels livres? Pourquoi il n'y a pas eu de telles contestations? Mais tout simplement parce que la découverte du boson de Higgs n'a aucune importance pour nos vies, pour nos modes de vie, et même pour nos façons de penser, si on ne va pas voir dans les détails. Alors que si des scientifiques vous disent, avec la biodiversité, là, on a un sacré problème pour le futur. Avec le climat, on a un sacré problème. Quand on extrapole nos courbes pour le futur, on voit des choses graves. Donc ces scientifiques nous disent des choses qui ne sont pas très plaisantes à entendre. Et donc nous allons développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Pour ne pas croire ce que nous savons. Bon. Alors maintenant, je vais, pour donner à cette conférence une tonalité plus joyeuse, vous donnez des exemples de résultats scientifiques, simples, qui ne sont pas de la recherche, hein, c'est des choses qu'on a comprises et qu'on est capable de déclarer comme étant certaines. Vous montrez que la science, finalement, c'est une démarche qui nous permet de découvrir des contre-vérités. C'est-à-dire c'est une démarche qui permet de nous
détrompé et qui nous conduit finalement à nous méfier de nous-mêmes, au sens où elle nous pousse à nous méfier de ce que nous pensons spontanément, ou bien de ce que l'observation semble nous indiquer comme étant des vérités. Et à chaque fois que vous êtes détrompé, et je pense que vous le vivez déjà dans les classes dans lesquelles vous êtes, un cours de physique, normalement, si vous le prenez au sérieux, si vous prenez au sérieux ce que dit le professeur, vous devez tomber de votre chaise. Hein. Parce que quand on comprend qu'on s'est trompé, ça provoque ce que j'appellerais une joie intellectuelle. On est content d'avoir compris qu'on se trompait. Découvrir qu'on s'est trompé, qu'on a mal pensé, mal raisonné, mal calculé, ça provoque une forme de joie. Enfin, je ne sais pas si vous la ressentez, mais en tout cas, moi, quand j'étais à votre place, à chaque fois que je comprenais un truc, par exemple, que je devenais capable de démontrer le théorème de Pythagore de plusieurs façons différentes, ben, le sentiment d'être capable de démontrer par soi-même quelque chose qui est absolument vrai, ça fait plaisir. C'est une sorte de joie très, très, très particulière. Mais par exemple, quand un professeur, alors je ne sais plus du tout dans quelle classe on l'enseigne, mais à mon époque, c'était en classe de première, on enseignait la mécanique classique, celle de Newton, qui est basée sur plusieurs principes, dont le premier est le principe d'inertie. Que dit le principe d'inertie ? Qu'un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne, est uniforme. Est-ce que vous l'avez déjà appris ? Qui connaît le principe d'inertie dans cette salle ? Bon, presque tout le monde. Alors, quelle a été votre réaction quand un professeur vous a expliqué ce principe ? Ben, je ne la connais pas, parce que je ne vous connais pas, mais moi, je me souviens très bien de ma réaction en classe de seconde quand on m'a expliqué ce truc. J'ai plus compris du tout pourquoi, quand je venais au lycée à vélo, j'étais obligé de pédaler. Puisque le professeur me dit, mais si tu n'exerces aucune force sur ton vélo, il va avoir un mouvement rectiligne uniforme indéfiniment. Or moi, je voyais bien qu'à chaque fois que je cessais de pédaler, mon vélo finissait par s'arrêter. Donc, le principe d'inertie me semblait contradictoire avec toutes les observations que je pouvais faire. Il a fallu du temps pour que je comprenne que non, le principe d'inertie est vrai, mais si nous ne le voyons pas dans la vraie vie, c'est parce qu'il existe des forces de frottement, de résistance de l'air, qui font qu'il y a en fait une force qui s'exerce sur un objet en mouvement qui finit par le freiner. Mais ça veut dire que l'énoncé du principe contredit l'observation. Et si vous acceptez que le principe est vrai, vous devez modifier votre interprétation des phénomènes pour montrer comment une loi qui contredit l'observation explique quand même l'observation. Et là, ça devient intéressant parce que ça vous oblige, et là je vais citer un philosophe qui a enseigné dans ce grand amphi pendant des années, sans micro, qui s'appelle Gaston Bachelard, qui disait « Faire de la science, c'est penser contre son cerveau. » C'est une phrase absurde, évidemment, puisque vous savez bien que c'est avec votre cerveau que vous pensez. Mais faire de la science, c'est accepter de soumettre votre cerveau à des arguments, des énoncés, des résultats, des théories qui viennent percuter et contredire ce que votre cerveau pense spontanément par le biais d'intuitions, de préjugés, de choses qu'on a entendues, de régularités qui nous semblent évidentes. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'expression « se forger une opinion ». Parce qu'en fait, c'est un travail de forgeron. Vous avez votre tête, vous sortez le cerveau de la tête, vous le posez sur une enclume, et ce cerveau qui a déjà des idées, des intuitions, des préjugés, vous allez le matraquer à coups de marteau en lui balançant des arguments qui pourraient changer votre façon de penser. Et une fois que vous avez fait ce travail de matraquage, vous regardez ce que votre cerveau pense. Et s'il est sérieux, les choses que vous lui avez dites dans ce matraquage doivent avoir modifié sa façon de penser. Autrement dit, quelle que soit la discipline scientifique que vous choisissez,
la science, elle va percuter, contredire votre intuition, votre bon sens. Et c'est ça qui, précisément, est intéressant. Et pour finir sur ce petit couplet, et avant de vous donner des exemples, vous avez remarqué comment, pendant la crise sanitaire que nous traversons, des gens ont invoqué le bon sens pour critiquer la science, pour critiquer le discours des scientifiques, en oubliant que toute la science, depuis Galilée, s'est construite contre le bon sens. Et donc, ce n'est pas l'invocation du bon sens qui suffit par elle-même à critiquer le discours des scientifiques. Je ne dis pas que le bon sens ne soit pas utile, hein, dans la vie de tous les jours. Quiconque n'a pas un peu de bon sens a une durée de vie très limitée. Donc le bon sens pour vivre, pour s'adapter à l'environnement, c'est très précieux. Mais pour juger de ce qu'il en est de la vérité des données scientifiques, non. Non. Et par exemple, si vous avez, c'est une hypothèse d'école, si vous avez une maladie dont on peut guérir sans traitement, dans 98% des cas, si vous avez une personne malade, vous lui donnez un certain médicament, dont je tairai le nom, parce que je l'ai oublié, et vous constatez que cette personne guérit, est-ce que vous avez le droit de dire que c'est les médicaments qui la fait guérir? Ben non, puisque 98% des malades guérissent son traitement. Donc une personne malade qui dit « j'étais malade, j'ai pris ce traitement et j'ai guéri » ne prouve pas qu'elle a guéri grâce au traitement. Et pour le savoir, il faut faire des études très longues, très compliquées, qui réclament des mois. Et la bonne réponse, on l'a maintenant, mais elle ne pouvait pas être donnée par quiconque dans les premières semaines de l'épidémie, puisque personne n'en savait rien. Autrement dit, quand vous dites... Et on l'a beaucoup entendu. Cette personne a guéri parce qu'elle a pris tel médicament. On confond, et c'est très grave, une corrélation et une relation de cause à effet. On confond corrélation et causalité. Alors, je ne vais pas vous faire un chapitre là-dessus, mais je citerai simplement cette phrase qu'on trouve dans un sketch de Coluche. Coluche disait... N'allez jamais à l'hôpital, on y meurt 10 fois plus que chez soi. D'accord ? Confusion entre corrélation et causalité. Si vous allez à l'hôpital, c'est parce que vous êtes malade ou blessé. Et si vous mourrez à l'hôpital, c'est pas parce que vous êtes à l'hôpital, mais parce que vous êtes malade ou blessé. D'accord ? Pour le dire autrement, ça n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie que vous avez le droit de dire qu'il a plu des grenouilles. D'accord ? Bon, j'arrête sur ce sujet parce que si je me laisse entraîner à en parler davantage, je vais m'énerver. Alors, maintenant j'en passe aux exemples. Un premier exemple qui est destiné à vous montrer que nous devons nous méfier de notre appréciation spontanée des ordres de grandeur. Alors, je vais faire l'expérience de pensée suivante. Je prends la Terre. Je vous rappelle que la Terre est ronde. Autour de la Terre, disons au niveau de l'équateur, je vais tendre un ruban dont la circonférence, la longueur, sera égale à la circonférence de la Terre. Donc je tends un ruban, je fais un nœud comme si c'était un paquet cadeau. Et donc j'ai autour de la Terre un ruban qui fait à peu près 40 000 km de circonférence. Ensuite, je vais prendre une paire de ciseaux. Je coupe le ruban et je lui rajoute 1 mètre de mou. Donc ce ruban qui faisait 40 000 km fait maintenant 40 000 km plus 1 mètre. Question, et il faut répondre brutalement, de combien est-ce qu'il faudrait que je surélève le ruban tout autour de la Terre pour qu'il soit à nouveau tendu ? Autrement dit, quelle surélévation je dois lui donner pour qu'il absorbe le mètre de mou supplémentaire que je lui ai donné.
Faites un sondage dans votre classe, dans la rue, dans votre famille, où vous voulez, et vous verrez que les gens répondent à la plus petite unité de distance qu'ils connaissent. Un angstrom, un nanomètre, un micron. Alors que la bonne réponse, qui surprend toujours, c'est 16 centimètres. C'est-à-dire 1 divisé par 2 pi en mètres. Ça vous surprend ou pas? C'est beaucoup, 16 centimètres. Pour absorber 1 mètre, il faut 16 centimètres partout autour de la Terre. Et là où normalement on tombe par terre, c'est quand on ajoute que cette hauteur de surélévation est indépendante de la taille de l'objet autour duquel on a tendu le ruban. Donc si au lieu de prendre la Terre, vous aviez pris Jupiter, qui est beaucoup plus grande que la Terre, ou bien un petit pois, ou bien un atome, ou bien un point, c'était encore 16 centimètres. Tout simplement parce que 16 centimètres, c'est le rayon d'un cercle dont le diamètre, dont la circonférence plutôt est égale à 1 mètre. Et donc vous avez tous appris, j'imagine, que la circonférence d'un cercle, c'est 2 pi fois le rayon. Mais vous n'avez pas compris que cette loi est une loi de proportionnalité. Et donc, même si ça a été fait, hein, on pose la question à des élèves d'ingénieurs de grandes écoles, ben on observe qu'ils se trompent. C'est-à-dire que notre intuition est bafouée par cet exemple. Autre exemple, vous savez tous que la Terre tourne autour du Soleil, pour le coup, à cause de la force de gravitation. Maintenant, imaginons que je remplace la Terre par une cacahuète. À la place de la Terre, je mets une cacahuète au même endroit, avec la même vitesse. Question, quelle est la trajectoire de la cacahuète? Il y a très peu de gens qui donnent la bonne réponse, qui est la même trajectoire que la Terre. Autrement dit, la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation est indépendante de sa masse. Newton l'avait compris. Vous l'avez vu. Parce que vous avez vu des astronautes sortir de la navette spatiale, faire un petit tour dans l'espace et revenir. Alors vous savez que les astronautes n'ont pas la même masse que la navette spatiale. Mais comme leur mouvement est indépendant de la masse, ils suivent exactement la même trajectoire que la navette. Donc nous, on le voit. Newton ne pouvait pas le voir. Il l'avait compris, mais pas vu. Nous, on le voit. Et malgré ça, on continue à avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation, c'est-à-dire on croit que la gravitation, ça dépend de la masse des corps. Bon. Ensuite, je vais prendre un exemple qui montre que nos sens, nos sensations, nos estimations corporelles nous trompent. Donc, je vous propose l'expérience suivante que j'aurais aimé pouvoir faire avec des vrais matériaux, mais j'ai pas réussi à trouver des glaçons. Voilà, vous allez imaginer que je fais l'expérience. Je mets ici un bout de bois. Je mets là un morceau de marbre. Okay. Je fais venir l'un d'entre vous. Je lui demande de toucher avec la main le morceau de bois et avec la même main le morceau de marbre. Et je lui demande, à ton avis, lequel de ces deux morceaux est le plus chaud? Alors, j'ai déjà fait l'expérience avec beaucoup de gens. Tout le monde répond le bois. Quand vous touchez du marbre, vous avez une sensation de froid. Okay. Donc tout le monde répond le bois. Ensuite, je vais prendre un glaçon. Je le pose sur le morceau de bois. Puis je prends un second glaçon. Je le pose sur le morceau de marbre. Et je vous demande, à votre avis, lequel de ces deux glaçons va fondre le plus vite? Tout le monde répond sur le morceau de bois, puisqu'il est plus chaud. Et quand vous faites l'expérience, vous voyez que une heure après, il y a toujours le glaçon, un peu diminué, mais toujours là, sur le morceau de bois. Alors que sur le morceau de marbre, il a fondu depuis bien longtemps. Il a même fondu à toute vitesse. Comment se fait-il que ce soit sur le corps le plus froid que le glaçon fonde le plus vite? Je ne vais pas vous donner la réponse, c'est à vous de travailler. Mais déjà, quand vous dites le morceau de bois est plus chaud que le morceau de marbre,
vous commettez une erreur. Parce que tous les objets de cette pièce sont en équilibre thermique et ils ont exactement la même température. Donc le morceau de marbre, il a la même température que le morceau de bois. Ça veut dire que vos sens vous ont trompé. Donc il faut s'en méfier. Vos sens vous ont trompé et votre raisonnement, à partir de ce qu'indiquaient vos sens, vous a également trompé. Et vous êtes devant une sorte de paradoxe, puisque vous voyez se dérouler quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous attendiez. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on se met à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est comme ça que démarre la science. Par la rencontre avec des paradoxes, avec des choses qui vous surprennent et qui vous obligent à sortir de la mécanique circulaire de votre pensée qui, en général, tourne sur elle-même sans jamais que quoi que ce soit vienne la provoquer. Ensuite, j'ai complètement changé de sujet pour montrer que parfois, on est victime de ce que les neurologues appellent des biais cognitifs. Il y a notre façon de penser nous conduit à de grosses erreurs, sans qu'on se rende compte et avec le sentiment, au contraire, de bien faire les choses. L'anecdote est la suivante, et vous pourrez vérifier qu'elle est exacte. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais menaient des raids aériens à partir de 1943 pour bombarder les villes allemandes. Les villes allemandes. Donc, des gros bombardiers chargés de bombes, et les pilotes devaient partir d'une base en Angleterre, survoler la Belgique ou la France, et puis arriver donc en Allemagne. Le voyage était long, dangereux, puisqu'ils étaient accueillis par les tirs des mitrailleuses allemandes de la défense antiaérienne, et les bombardiers revenaient en Angleterre avec le fuselage, la carlingue ou les ailes qui étaient criblées de balles. Et il y a des ingénieurs, des techniciens, dont le métier à l'époque, la mission, était de regarder sur tous les bombardiers qui rentraient à la base, où étaient les impacts de balles. Et ils publiaient des cartes où on dessinait la carlingue des avions, les ailes, etc. Et ils marquaient avec des points les endroits qui avaient été traversés par des projectiles. Et ensuite, des ingénieurs venaient renforcer les zones de la carlingue où il y avait le plus d'impact, en disant, là, ils ont morflé, il faut protéger cet endroit en mettant une plaque de plomb qui va protéger l'avion. Donc cette protection supplémentaire, évidemment, alourdissait les avions, qui faisaient les mêmes raids, revenaient en étant plus chargés. Et on observait que le nombre d'avions qui rentraient à la base, en proportion, n'était pas plus faible qu'avant. Autrement dit, ça n'apportait pas de sécurité supplémentaire pour les pilotes. Jusqu'au jour où est arrivé un jeune officier anglais, qui s'appelle Abraham Wald, qui a dit à la RAF, vous faites tout à l'envers. Il faut mettre des plaques à l'endroit où il n'y a pas d'impact, où il y a zéro impact. Pourquoi? Parce que les avions qui sont percutés aux endroits où il y a zéro impact ne reviennent pas à la base. Alors que ceux qui sont percutés là où il y a des impacts, ils reviennent à la base, donc ce n'est pas dangereux. D'accord? Et donc, l'ensemble de la RAF, pendant plusieurs mois, a été victime de ce qu'on appelle le biais du survivant. Vous faites de la statistique uniquement à partir des avions qui sont rentrés. Mais si vous connaissiez les endroits où étaient percutés les avions qui sont tombés, évidemment, vous auriez une vision de la chose complètement différente. Donc le biais du survivant, c'est un biais qu'on connaît tous, qui consiste à ne juger des choses qu'à partir de la constatation ou de la prise en compte des choses qui ont réussi, les survivants. Alors vous pourriez vous dire, mais une fois qu'on a compris ça, évidemment, c'est évident, et on l'a compris pour toutes les situations, et on ne retombera pas dans le même piège. Mais ce n'est pas vrai. En 1987, c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y a une équipe de vétérinaires qui a publié un article sur la chute des chats.
Et ils ont publié un papier dans lequel ils ont montré que les chats qui tombent d'une hauteur supérieure à 3 étages sont moins blessés que les chats qui tombent d'une hauteur inférieure à 3 étages. C'est un résultat un peu bizarre, hein. Mais non seulement ils l'ont constaté, mais ils l'ont expliqué. Et l'explication qu'ils ont fournie, c'est de dire, quand un chat tombe de très haut, il a le temps de reprendre ses esprits. Donc son stress diminue, ses muscles se détendent, et quand il touche le sol, il est un peu plus ramolli, de sorte que le choc est moins violent. Alors que si un chat tombe d'une hauteur plus basse, il n'a pas le temps de se détendre, et pour cause, et la blessure est plus grave au moment de l'impact. Ils l'ont publié, ce papier. Puis un jour, quelqu'un a dit, mais il se pourrait que les chats qui tombent d'une hauteur supérieure à 3 étages ne viennent pas dans les cabinets des vétérinaires parce qu'ils sont morts. Voilà, biais du survivant. Vous voyez comment on peut bien raisonner et en même temps tomber complètement à côté de la plaque. Ben, je vais vous prendre un autre exemple, alors lui qui est plus d'actualité, à propos des tests. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. Je ne suis pas en train de vous dire que l'exemple que je prends est la traduction de ce qui se passe aujourd'hui. Je fais une expérience de pensée, c'est-à-dire j'imagine une situation qui est la suivante. Je prends une nouvelle maladie qui vient toucher une population avec une prévalence, comme on dit, de 1 une personne sur 1 000. C'est-à-dire dans la population, sur 1 000 personnes, il y en a une qui est malade. Les symptômes de cette maladie ne sont pas visibles, de sorte qu'on ne sait pas si une personne malade est malade ou pas. Donc, il faut mettre au point un test. Les chercheurs travaillent, mettent au point un test. Et la fiabilité de ce test est de 95%. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire 95%? Ça veut dire que si vous prenez une personne malade, elle sera systématiquement positive au test. En d'autres termes, il n'y a pas de faux négatif. Il n'y a pas de gens négatifs au test qui soient malades. Tous les malades sont positifs au test. Par contre, si je prends 100 personnes non malades, il y en a 95 qui seront négatives au test. Il y en a 5 qui seront positives au test. 5 sur 100. C'est ce qu'on appelle des faux positifs. D'accord? Ils sont positifs, on croit qu'ils sont malades et en fait, ils ne le sont pas. Ça, c'est les hypothèses que je donne à mon problème. Maintenant, je vous présente une personne qui est positive au test. Question, quelle est la probabilité qu'elle soit malade? Ben, si vous êtes un sondage autour de vous, les gens vont répondre 95%. C'est presque automatique. J'ai fait l'expérience, les gens répondent sans réfléchir. 95%. La bonne réponse, c'est 2%. 2%. C'est-à-dire que pour les paramètres que j'ai pris comme paramètres d'hypothèse, si vous avez une personne malade, positive, pardon, positive dans ces conditions, il y a 98 chances sur 100 qu'elle ne soit pas malade. Ce qui est énorme. Autrement dit, le test ne sert à rien. Je dis ça pour tous ceux qui, au mois de mars, réclamaient des tests, des tests, des tests. Si les tests ne sont pas fiables, ils ne servent à rien. Okay? Ou même, ils peuvent avoir des effets négatifs. Alors, comment expliquer ce résultat? Je prends un échantillon de 1 000 personnes dans cette population. Et à toutes ces personnes, je fais subir le test. Sur 1 000 personnes, combien sont malades? D'après mon hypothèse, une. Combien seront positives au test? Ben, les autres sont non malades, mais on a dit tout à l'heure, sur 100 personnes non malades, il y en a 5 qui sont positives. Donc sur 1 000 personnes, ça fait 50 qui sont positives. Donc si vous faites subir le test à toute la population, seront positives la personne malade, plus environ 50 personnes non malades.
Donc vous aurez 51 personnes positives, alors qu'une seule d'entre elles est malade. Donc la probabilité pour qu'une personne positive soit malade, c'est 1 divisé par 51, à peu près 2%. Donc vous voyez, faire attention. Il faut faire attention. Quand on raisonne sur les probabilités, sur les statistiques, eh bien, il y a des situations où les résultats qu'on obtient par le calcul sont complètement différents de l'intuition qu'on a de ces résultats. Donc là encore, il faut se méfier de notre soi-disant intuition. Alors vous pourriez m'objecter, un peu comme l'avait fait Descartes, mais si on ne veut pas se tromper dans les raisonnements, il y a une recette simple, c'est de partir d'idées simples, claires, et puis de les agencer de façon progressive. Je pars d'hypothèses, d'idées, de concepts que je suis parfaitement capable de définir, que je maîtrise. Et si j'avance pas à pas dans mon raisonnement, en suivant les règles de la logique, alors à la fin, j'aurai un résultat, une conclusion, qui ne sera pas ambiguë, qui sera sûre, qui ne posera pas de problème. C'est ce qu'on appelle un peu abusivement d'ailleurs la démarche cartésienne dont nous prétendons que nous sommes les héritiers. Ben, je vais vous montrer sur un exemple tout simple que cette démarche ne marche pas. En tout cas, pas à tous les coups. Je pense qu'en mathématiques, par exemple, vous avez déjà étudié ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Je pense que oui. Je ne vais pas la rappeler, d'ailleurs, je ne vais même pas m'en servir. Je n'ai retenir de la théorie des ensembles que deux choses très simples. Un ensemble, c'est une structure qui se définit par le fait qu'il contient des éléments. Un ensemble contient des éléments. Et puis la deuxième notion que je vais utiliser, c'est celle d'élément. Je dirais un élément d'un ensemble, c'est quelque chose qui appartient à l'ensemble. Jusque-là, tout le monde suit. Okay ? Ensuite, je vais remarquer que parmi tous les ensembles que je peux imaginer, il y en a en fait de deux types. Il y a des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes comme éléments. Donc des ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Par exemple, je prends l'ensemble des lycéens parisiens. L'ensemble des lycéens parisiens n'est pas un lycéen parisien. D'accord ? L'ensemble des lycéens n'est pas un lycéen. Ça veut dire que l'ensemble des lycéens parisiens est un ensemble qui ne fait pas partie lui-même. Et vous verrez, tous les exemples d'ensemble que vous pouvez imaginer sont comme ça. Ils ne se contiennent pas eux-mêmes comme éléments. Et un grand logicien du XXe siècle, qui s'appelle Bertrand Russell, a proposé que ces ensembles, qui sont à peu près tous ceux qu'on est capable d'imaginer, ils sont normaux. Donc il les a appelés les ensembles normaux. Un ensemble normal, c'est un ensemble qui ne se contient pas lui-même comme élément. Mais il a remarqué qu'il y a aussi des ensembles qui sont non normaux, c'est-à-dire des ensembles qui se contiennent eux-mêmes comme éléments. Par exemple, l'ensemble des idées abstraites. L'ensemble des idées abstraites, c'est une idée abstraite. Donc l'ensemble des idées abstraites fait partie de lui-même. Il se contient lui-même comme élément. Et donc ce sont ces éléments-là, ces ensembles-là, pardon, pourrait en imaginer d'autres, l'ensemble des intuitions ou des choses comme ça, c'est des ensembles qui sont non normaux. Ils les appellent non normaux. Et jusque-là, encore, je pense que vous me suivez, tout va bien. On a suivi la démarche cartésienne. On a des concepts simples, on réfléchit sur eux, on trouve des espèces de classifications. Tout va bien. Jusqu'au moment où on pose la question qu'il ne faut pas poser. On appelle grand N l'ensemble de tous les ensembles normaux. On a le droit de le faire. Grand N, c'est l'ensemble de tous les ensembles normaux. Question, est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est non normal ? On a suivi la démarche cartésienne, qui aboutit à des conclusions claires. Donc la réponse à la question que je viens de poser, c'est oui ou non. Soit il est normal, soit il est non normal. Il ne peut pas être entre les deux. Alors on va explorer les deux possibilités. Si n est normal,
Ça veut dire qu'il se contient lui-même comme élément, puisque n est l'ensemble de tous les ensembles normaux. Mais s'il se contient lui-même comme élément, c'est qu'il est non normal. Réciproquement, si je fis l'hypothèse que n est non normal, ça veut dire qu'il se contient lui-même comme élément. J'ai dû me gourer dans le premier truc, là. Si n est normal, ça veut dire qu'il se contient lui-même comme élément, puisque n est l'ensemble de tous les ensembles normaux. Mais s'il se contient lui-même comme élément, c'est qu'il est non normal. Et réciproquement, s'il est non normal, ça veut dire qu'il se contient lui-même comme élément, donc il est normal, puisque n est l'ensemble de tous les ensembles normaux. Conclusion, alors que j'ai progressé pas à pas avec des concepts simples, j'arrive à la conclusion que n est normal, si et seulement si, il est non normal. Et ça, c'est un résultat de 1904, énoncé par Bertrand Russell, qui a montré qu'il y avait un problème grave avec la théorie des ensembles, qui a provoqué ce qu'on a appelé la crise des fondements en mathématiques. Vous voyez, un tout petit raisonnement comme ça a fait s'effondrer d'un seul coup une certaine façon de concevoir les mathématiques. Et sans aller dans les détails qui nous mèneraient trop loin, ça aboutit en 1930, dans les années 30, à un nouveau théorème très important des mathématiques qui s'appelle le théorème de Gödel, qui est un théorème d'indécidabilité, avec l'idée qu'un formalisme mathématique engendre des propositions dont le formalisme lui-même n'est pas capable de dire si elles sont vraies ou pas. Elles sont indécidables. Et ensuite, vous pouvez décider qu'elles sont vraies, ça vous donne une certaine axiomatique, ou bien décider qu'elles ne sont pas vraies, et ça donne une autre axiomatique. Et ça, ça a jeté un trouble énorme. Et pour finir, je vais donner un autre exemple qui devrait vous encourager, parce que c'est une découverte qui a été faite par un collégien en 1964 en Afrique du Sud. Ce collégien, il s'appelle Mpemba. Il est toujours vivant, d'ailleurs j'ai appris qu'il était député en Afrique du Sud. Mais quand il était collégien, il suivait avec ses camarades des cours de cuisine. Il devait faire des crèmes glacées, si j'ai bien compris. Et il était un peu en retard. Et il a mis son lait, ou peut-être de l'eau, dans le réfrigérateur, plus tard que ses camarades. Et au lieu que ce soit de l'eau froide, ou du lait froid, je ne sais plus, c'était de l'eau chaude, ou du lait chaud. Et il s'est rendu compte que, quand il est allé récupérer son bol, il était gelé, alors que celui de ses camarades ne l'était pas encore. Donc il a refait l'expérience et il s'est rendu compte de cette chose incroyable qui est que dans certaines conditions, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Ce qui est absurde. Parce que pour que l'eau gèle, il faut d'abord qu'elle devienne froide. Donc le temps que met l'eau froide pour se geler doit être plus court que le temps que met l'eau chaude pour geler puisqu'elle doit d'abord devenir froide. Il en parle à son professeur, qui ne le prend pas au sérieux, et en désespoir de cause, il écrit à un physicien qui est professeur à l'université du Cap, qui s'appelle Osborne, je parle du physicien, pas de l'université, qui refait les expériences, et qui voit qu'il a raison. L'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide, dans certaines conditions très nombreuses. Je voulais amener un petit film qui le montre d'ailleurs, mais je n'ai pas retrouvé ma vidéo. Et cet effet, il s'appelle l'effet Mpemba, du nom de ce jeune collégien. Eh bien, ce phénomène-là n'est toujours pas bien compris. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont été faites. On a pensé que l'eau chaude s'évapore plus vite que l'eau froide, donc c'est parce qu'il y a moins de masse à refroidir que la phase solide apparaît plus rapidement. En fait, non, quand on met un bouchon, il n'y a pas d'évaporation et on a observé le même phénomène. Donc, il y a, à propos de l'eau, des comportements qu'on a du mal à comprendre.
Ça veut dire que si un jour dans vos cours, vous voyez un truc bizarre, n'hésitez pas à en parler. C'est peut-être une grande découverte. Il y a aussi des questions que vous devez vous poser. Parce que souvent, moi je me souviens en tout cas de mon expérience personnelle, quand on est en première ou en terminale, on est quand même impressionné par la physique, par tout ce qui se sait en physique, et on n'ose pas poser de questions. En tout cas, pas toujours. On a l'impression d'être un peu bête si on pose des questions. Or, en science, en physique, il n'y a pas de questions bêtes. Puisque la physique, elle est surprenante, elle n'est pas intuitive. Donc, on a le droit de poser toutes les questions. Il y a même des questions qui, lorsqu'on les pose, y compris lorsqu'on est jeune, et donc sans grande connaissance théorique, par exemple, il y a des questions qui sont extrêmement fécondes. Je vais vous donner un exemple. En 1895, il y a un jeune homme allemand qui avait démissionné du lycée où il était scolarisé, c'était à Munich, Allemagne, lycée discipline militaire. Et lui, il avait du mal avec la discipline militaire. Donc il avait une dépression et il a démissionné du lycée en jurant ne plus jamais remettre les pieds dans une salle de classe. Il a rejoint ses parents qui, à l'époque, vivaient en Italie. Et pendant une année, il a été déscolarisé. Mais il s'est posé des questions qu'il a envoyées dans plusieurs courriers adressés à son oncle maternel. Et toutes ces questions qui le tourmentaient concernaient la lumière. Et par exemple, il écrit à son oncle « Qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière ?» C'est une question à la con. C'est-à-dire que si un jour, mon fils venait me voir et me dit « Papa, qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière ?» Je lui dirais « Mais va jouer dans ta chambre. » Ce n'est pas une question sérieuse. Et lui se la pose et il raisonne. J'ai appris à l'école que les vitesses s'ajoutent. C'est-à-dire, si je marche sur un tapis roulant qui est en mouvement, ma vitesse par rapport au sol immobile, c'est ma vitesse de marche par rapport au tapis roulant plus la vitesse du tapis roulant. On ajoute les vitesses. Donc, si cette loi est vraie, si de la lumière est capable d'émettre de la lumière, la vitesse de la lumière émise, ben c'est la vitesse de la source, qui est de la lumière, qui va donc à la vitesse de la lumière, plus la vitesse de la lumière. Donc, si de la lumière est capable d'émettre de la lumière émise par la lumière ira à deux fois la vitesse de la lumière. Mais si maintenant la lumière émise émet à son tour de la lumière, ça sera trois fois la vitesse de la lumière, puis quatre, puis cinq. Donc ce jeune homme comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, si elle était capable de le faire, il y aurait de la lumière de vitesse infinie. Parce qu'on fabriquait une sorte d'escalier cinématique vers l'infini. Est-ce que c'est possible, ça, de la lumière qui va à une vitesse infinie? Un an plus tard, ce même jeune homme est scolarisé en Suisse parce qu'il a trouvé une école où la discipline n'est pas militaire, où les méthodes pédagogiques sont beaucoup plus libérales. Et là, il fait une autre expérience de pensée, qui est la suivante, elle est bien connue. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière? Alors, la lumière, c'est quoi? C'est des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace. Donc, si vous êtes à cheval sur une onde, l'onde que vous voyez devant vous ou derrière vous, elle est immobile par rapport à vous. C'est une onde qu'on appelle stationnaire. Comme lorsque vous faites du surf. Quand vous faites du surf, vous êtes debout sur la crête de la vague, vous avancez en même temps que la vague, de sorte que la vague qui est devant vous est immobile par rapport à vous, et celle qui est derrière vous est immobile par rapport à vous. Donc quand vous surfez, vous voyez des ondes stationnaires. Et le jeune homme dit, bah, si je suis à cheval sur la lumière, je vais voir de la lumière immobile par rapport à moi. Or, comme il était assez bon en maths, il savait qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations qui décrivent la propagation de la lumière, qui sont les équations de Maxwell. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Et donc, il s'est dit, mais c'est bizarre, ça. Soit l'expérience que j'ai imaginée, je suis à cheval sur un rayon de lumière, est une expérience impossible, comme le disent les équations de Maxwell, soit les équations de Maxwell qui disent que c'est impossible sont fausses. Il avait 16 ans. Ce jeune homme, il s'appelle Albert Einstein. Un étudiant lambda. Et 10 ans plus tard, il va élaborer une théorie, publiée en 1905, qui s'appelle la théorie de la relativité restreinte. Et dans cette théorie, il répond aux deux questions qu'il s'est posées quand il était lycéen. Quelle serait la vitesse de la lumière émise par de la lumière ? Réponse : la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Quelle que soit notre vitesse, quelle que soit la vitesse de sa source, la vitesse de la lumière est toujours égale à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux ? Laisse tomber, c'est une question à la con, parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière par rapport à toi. Donc tu ne peux pas être à cheval sur elle, de sorte que tu pourrais la voir immobile. La lumière est toujours en mouvement pour tous les observateurs. Et sa vitesse par rapport à n'importe quel observateur, quelle que soit sa vitesse dans l'espace, est invariante. Et en partant de ce postulat, il va établir cette théorie de la relativité restreinte qui modifie, vous le verrez plus tard, les relations entre l'espace et le temps et qui oblige à complètement repenser la façon dont on conçoit le temps associé au référentiel et par conséquent l'espace également. Vous verrez ça plus tard, mais vous verrez que la relativité, ou encore pire, la physique quantique, sont des physiques qui disent des choses absolument incroyables qu'on a pu vérifier par l'expérience, mais qui ne ressemblent pas du tout aux phénomènes qu'on voit autour de nous. C'est bien du fait que nous, on est assez gros, donc on ne voit pas les phénomènes microscopiques. Ça nous masque les effets quantiques. Et puis, on ne va pas très vite. Hein. Même quand on prend une navette spatiale, on va à une vitesse qui est très faible devant celle de la lumière, donc on ne voit pas les effets relativistes. Ce qui ne les empêche pas d'exister. Ils sont vrais, ils ne sont pas observables par nos sens, et surtout, ils ne sont pas vraisemblables. Donc la physique vous oblige à distinguer le vrai du vraisemblable. Et vous verrez plus tard que les pères fondateurs de la physique quantique, dans les années 20, ils étaient tellement surpris par ce qu'impliquait la physique quantique qu'ils n'y croyaient pas. Et depuis, on a pu vérifier que les prédictions quantiques sont justes, et donc, ce n'est pas qu'il faut y croire, c'est que ça marche. Entre guillemets, c'est vrai. Bon. Et pour finir, on va prendre un petit exemple pour célébrer l'année 2020, qui est une année un peu spéciale, mais je vais vous montrer qu'elle est encore plus spéciale que vous imaginez. On va s'amuser à prendre un nombre entier. Alors, un nombre entier, ça s'écrit par une suite de chiffres. Par exemple, au hasard, je vais prendre 3, 0, 1, 2, 1, c'est-à-dire 30 121. Et je vais utiliser une méthode pour noter ce chiffre autrement. Donc je vais le représenter autrement que par cette façon de l'écrire, en suivant la règle suivante. Le premier chiffre que je vais mettre, c'est le nombre de zéros qu'il y a dans ce nombre. Alors c'est 30 121, il y a un zéro, donc j'écris 1. Le deuxième chiffre que je vais écrire, c'est le nombre de 1 dans ce chiffre, dans ce nombre. Combien y a-t-il de 1 dans 30 121 ? 2. Okay. Ensuite, je vais mettre le nombre de 3. 30 121, il y a un 3. Ensuite, je vais mettre le nombre... le nombre de 2, j'aurais dû mettre. C'est pareil, il y en a un, 30 121. Ensuite, le nombre de 3, il y en a un. Et puis, le nombre de 4, il y en a 0. Donc, 30 121, je l'aurais écrit par 12 110. Ça veut dire que dans ce nombre, il y a 1 0, 2 1, 1 2, 1 3, 0 4. Alors, vous remarquez que
Si on le prend 30 121, j'avais pris un chiffre qui allait, un nombre qui a les mêmes chiffres, mais dans un autre ordre, ça aurait donné le même résultat. Pour le dire autrement, les anagrammes de ce nombre, obtenus en permettant l'ordre des chiffres, auraient donné la même représentation. Okay. Alors, il y a un mathématicien, c'est pour ça que j'en parle, il s'appelle Conway, mathématicien américain. J'en parle parce qu'il vient de mourir du Covid. Bon. Il s'est intéressé à ce qu'il a appelé les nombres autodescriptifs. Les nombres autodescriptifs, c'est des nombres dont la représentation obtenue de la façon que je viens d'indiquer est identique au nombre de départ. Alors, on va essayer d'en trouver. Est-ce que 0 est un nombre autodescriptif? Alors, comment est-ce qu'on va écrire 0 dans le système que je viens d'évoquer? Il y a combien de 0 dans 0? Il y en a un. Donc, le 0, je vais l'écrire 1. C'est raté, il n'est pas autodescriptif. Je vais essayer avec le 1. Le 1. Il y a combien de 0 dans 1? Il y en a 0. Combien de 1? 1. Donc le 1 s'écrit 0,1. Loupé. On va essayer autrement. Le 10. Le 10, il s'écrit comment? Il y a combien de 0? Il y en a 1. Combien de 1? Il y en a 1. Donc ça s'écrit 11. Raté. Maintenant, prenez l'année 2020. Comment elle se représente? Il y a combien de 0 dans 2020? 2. Combien de 1? 0. Combien de 2? 2. Combien de 3? 0. Donc 2020 s'écrit 2020. Donc l'année 2020, c'est la seule année qui vous sera donnée à vivre, à moi aussi d'ailleurs, qui soit autodescriptive. Il faut quand même fêter ça. La prochaine, c'est 21 200. On ne sera plus là. D'accord? Alors maintenant, posez-vous des questions. Combien peut-il y avoir de nombres autodescriptifs? Est-ce que c'est un nombre fini ou est-ce que c'est un nombre infini? Alors on peut assez facilement convaincre que ça ne peut pas être un nombre infini, puisque si vous écrivez un très grand nombre, il y aura beaucoup de 0, beaucoup de 1, etc. Et vous ne pourrez pas les compter simplement entre 0 et 9. Donc il y en a forcément un nombre fini. Et en fait, ce qu'a montré Conway, c'est qu'il existe seulement 7 nombres autodescriptifs. 7 nombres autodescriptifs, c'est-à-dire qu'ils soient invariants par cette transformation que je viens de rappeler. D'accord? Donc vous voyez, il y a une sorte de mystère dans les nombres. Et à partir d'une règle toute bête, vous pouvez être amené à réfléchir, à trouver des trucs assez simples. Par exemple, que tous les anagrammes d'un même nombre sont représentés de la même façon, etc. Voilà. Donc, ces exemples pour vous montrer que voilà, la science est intéressante, ça nous surprend. Et puis, je terminerai par une sorte de mise en garde, si vous voulez. Parce que on a tous, quand je dis on, c'est citoyens, français, etc., lycéens ou pas d'ailleurs, nous avons tous beaucoup de connaissances scientifiques. Par exemple, tout ce que je vous ai dit en préambule, à savoir que la Terre est ronde, que l'atome existe, que l'univers est en expansion, que les espèces vivantes évoluent, vous le savez. Vous le savez. Mais si je vous demande maintenant, comment est-ce qu'on l'a su dans l'histoire? Comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? Et on l'a su il y a très longtemps, hein, bien avant de voir par des photos satellites qu'elle était ronde. En fait, on a toujours su qu'elle était ronde. Je veux dire par là qu'il y a toujours eu des gens qui savaient qu'elle était ronde. La question, c'est comment ils le savaient? C'est évidemment pas en regardant la forme de la mer quand on est sur une plage. C'est pas très convaincant. Donc ils l'ont su autrement. Comment? Bon, on ne le sait pas. Enfin, si on le sait. Mais on vit sans avoir besoin de le savoir. Parce qu'on l'a entendu dire, parce qu'on l'a vu sur des photos. Mais vous savez qu'il y a des gens peu nombreux qui s'appellent les platistes qui pensent qu'elle est plate. Et eux, ils ont beaucoup d'arguments. Donc si j'organise un débat entre l'un d'entre vous et un platiste, il va vous rétamer. Autrement dit, il faut qu'on acquiert tous ensemble une meilleure connaissance de nos connaissances. Parce que sinon, on va les confondre avec des croyances. Moi, j'ai rien contre les croyances, tout le monde a des croyances. J'ai des croyances. Mais je sais qu'il y a des connaissances qui ne sont pas des croyances, qui ont été, en quelque sorte, démontrées
dans l'histoire des idées par des discussions, des expériences, des observations, des calculs, des preuves. Et dans ce climat actuel que je ressens de façon un peu douloureuse, je vois bien que les différences entre connaissances et croyances ne sont pas vraiment évidentes. Puisque dans les mêmes canaux de communication circulent des croyances, des connaissances, scientifiques ou pas, des commentaires, des opinions, des fake news. Comment est-ce que vous allez vous y retrouver? Si Trump dit il n'y a pas de changement climatique, je sens que ça va se refroidir. Avec mon corps, là, je le sens. J'ai un instinct du virus, il vaut pas de l'eau de Javel. D'ailleurs, ça serait intéressant que, puisqu'il est positif, il en boive un peu. Voilà. Mais si vous n'avez pas une certaine connaissance de la climatologie, qu'est-ce qui vous empêche de penser que Trump a raison? Et vous imaginez une société dans laquelle le réel, la vérité n'ont aucune place? Chacun peut dire n'importe quoi. Et le fait de dire n'importe quoi ne l'empêche pas de conserver le crédit électoral, par exemple, qu'il possède. Ça fait quel genre de société, ça? C'est pas très réjouissant. Et donc, pour finir, une anecdote vérifiée, enfin personnelle. Il y a exactement un an, peut-être faisiez-vous partie des cortèges de jeunes qui ont manifesté pour le climat. Ça se passait dans le quartier, là. J'habite à Denfert et un samedi, je ne sais plus quand c'était, j'ai vu le défilé qui s'apprêtait à partir. Et donc, je suis allé voir des jeunes gens qui étaient là, avec leur banderole, et je leur ai dit, avant que la manifestation se mette en marche, est-ce que vous acceptez de prendre un verre avec moi et on discute. Et je vous offre un verre. J'en ai récupéré 10. 3 élèves de terminale, 4 élèves qui étaient des étudiants à l'université, en première année ou deuxième année de sciences, et les autres étaient des étudiants de Sciences Po. On a discuté pendant 45 minutes avant d'être chassés par des gaz lacrymogènes. Et ils étaient hyper informés. J'aurais demandé pourquoi vous manifestez. Ils étaient parfaitement au courant, l'effet de serre, le changement climatique. C'est ça qui nous attend, on a peur. C'est vous qui avez trop brûlé de gaz à effet de serre. Vous devez prendre des mesures politiques pour faire en sorte que l'accroissement de température n'excède pas 2 degrés en 2060, etc. Ils étaient hyper informés. J'étais même impressionné, je dois vous le dire, par leur maturité. Parce que ma génération, au même âge, on n'avait pas cette maturité politique. Mais à la fin, j'aurais demandé, au fait, c'est quoi l'effet de serre? Comment ça se fait que, quand on brûle un peu de gaz de charbon, de pétrole, de gaz, ça fait du gaz carbonique? Pourquoi le gaz carbonique dans l'atmosphère, ça élève la température? Il y en a déjà plein, naturellement, par les éruptions volcaniques. Il y a du CO2 dans l'atmosphère depuis toujours, hein, presque toujours. En quoi le fait de rajouter des petits pouillèmes, ça pourrait changer le climat? Et c'est quoi le mécanisme qui fait que ça chauffe? Ben, ils ne savaient pas. Aucun ne savait. Ce qui n'est pas grave. J'insiste, ce n'est pas grave. Parce qu'ils sont jeunes comme vous, ils ont donc tout le temps d'apprendre. C'est pas grave, sauf si on les met dans les mains d'un Trump ou d'un climato-sceptique qui va dire, mais on rajoute des pouillèmes, comment un petit effet pourrait-il déclencher une grande cause? Ou bien ils vont tomber dans les pattes de journalistes comme ceux qu'on a vus au mois de mai d'il y a un an. Au mois de mai, il faisait très froid le matin, un jour, je crois que c'était le 15 mai, il faisait 3 degrés le matin. Et il y a une chaîne de télévision que je ne nommerai pas qui a convoqué une sorte de démission spéciale intitulée en sous-titre, plutôt sous-titré « Le refroidissement climatique » avec des guillemets. Et il y avait un journaliste de la média. Qu'est-ce qu'il nous raconte là avec l'effet de serre et le changement climatique? Il fait 3 degrés à Paris au mois de mai. Et il parle de réchauffement? C'est des imposteurs. Sur le plateau, personne n'est capable de contredire ce monsieur. Or, ce qu'il vient de dire, là, est aussi bête que si vous disiez, parce que votre compte en banque est à découvert,
que le PIB de la France s'est effondré. L'atmosphère terrestre, elle s'en fiche de la température à Paris. Il y a des fluctuations. Il faut regarder la température au Spitzberg ou ailleurs. Une mesure locale ne dit rien d'une moyenne dans l'atmosphère dont je vous rappelle qu'elle fait 100 km de hauteur. Donc ce monsieur dit une énormité qu'entendent des millions de gens. Et personne n'est capable de le contredire. Et donc quand une information de type scientifique dit des choses qui ressemble non pas à ce qui est vrai, mais à ce que vous avez envie qu'il soit vrai, votre sens critique va complètement s'effondrer. Et vous allez dire, ah ben ça c'est un truc qui me plaît, il a dit un truc qui me plaît, c'est un argument qui va me servir. D'accord ? Et donc, votre génération, à mon avis, elle a deux missions qui lui sont propres. Ce n'était pas un enjeu pour ma génération. Et pour la vôtre, c'en est un. Je le dis avec une certaine gravité, vous voyez. Vous allez devoir lutter contre deux phénomènes qui gagnent en puissance, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui existaient peut-être avant, mais qui n'avaient pas de vecteur pour se répandre, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. La première chose, excusez si c'est un mot un peu barbare, c'est l'ultra-crépidarianisme. Alors, ça vient d'un dicton latin qui est raconté par Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, c'est un auteur de l'Antiquité, qui avait un cordonnier qui un jour est allé voir un peintre qui s'appelait Appel, et le peintre avait fait un grand tableau un peu comme ici et avec des personnages qui avaient des sandales, et le cordonnier a dit au peintre, les sandales là, elles sont mal dessinées, il y a des erreurs. Donc Appel, le peintre, a corrigé les erreurs. Le cordonnier s'est senti encouragé et a trié d'autres choses dans le tableau qui n'étaient pas des sandales. Il a mis son grain de sel à propos d'autres objets dessinés. Et là, Appel a dit, oh, le cordonnier doit s'arrêter à la sandale. Tu parles de ce que tu connais, tu ne vas pas m'embêter à parler de choses que tu ne connais pas. C'est ça, l'ultra-crépidarianisme. C'est le fait pour le cordonnier de parler au-delà de la chaussure. Donc c'est un principe élitiste. Et évidemment, nous faisons tous cela. Nous sommes tous victimes de l'ultra-crépidarianisme. Quand on discute au café avec des amis, on dit des choses, des opinions qui vont au-delà de ce qu'on sait. Simplement, à la télévision, on voit beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, mais qui parlent. Et quand il s'agit de science, ça peut être un peu embêtant. Et l'autre chose qui, à mon avis, nous menace, c'est encore un mot pédant, je suis désolé, c'est l'ipsédixitisme. Ça vient du latin. Le maître l'a dit, le maître lui-même l'a dit. Donc c'est vrai. L'ipsédixitisme, c'est le fait de croire vrai ce qu'on a entendu dire par quelqu'un à qui on accorde du crédit. Alors en version dégradée, c'est je l'ai lu quelque part ou je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai. Et ça, il me semble que ça fait des ravages, qui ont d'ailleurs été démontrés en temps réel le 5 avril dernier, quand un journal qui s'appelle Le Parisien a publié un sondage. 5 avril, c'est le tout début de l'épidémie. On a demandé aux Français, on a posé la question suivante, est-ce que tel médicament est efficace contre le coronavirus ? On n'a pas demandé aux gens, est-ce que vous pensez qu'il est efficace ? On a dit, est-ce qu'il est efficace ? Le résultat du sondage, c'est 59% des gens ont répondu oui. 20% ont répondu non. Et 21% ont répondu je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui ont prétendu connaître la bonne réponse à une question dont personne sur Terre, à l'époque, ne connaissait la bonne réponse, puis qu'aucune recherche n'avait abouti. Aujourd'hui, on sait que la réponse, c'est non. Et donc, d'où ça vient, ça, le fait de se déclarer compétent, de répondre en faisant semblant de savoir, avec certitude, alors que personne ne connaît la réponse. Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur Klein, pour cette belle intervention qui va vous faire réfléchir, j'imagine, qui a dû vous interpeller. Et plutôt que moi de vous poser des questions, je préfère vous donner la parole tout de suite, si vous avez. Ne soyez pas timide. Merci. C'est pour revenir sur la lumière. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on sera capable de voyager à la vitesse de la lumière ? Alors, quand vous dites « on », vous pensez à des êtres humains ou à des particules ? Les êtres humains. Non. Non, je ne pense pas. Parce que ça coûte beaucoup d'énergie. On le fait, on ne va pas exactement à la vitesse de la lumière, mais on l'approche. Par exemple, au LHC, ce grand collisionneur qui est au CERN, on fait tourner des protons dans un anneau qui vont quasiment à la vitesse de la lumière. Il y en a qui tournent dans un sens, celui de inverse des aiguilles d'une montre, et les autres tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et deux fois par tour, on fait des collisions. Donc les protons vont quasiment à la vitesse de la lumière. Mais quand un proton a cette vitesse, quelle est la vitesse de la lumière par rapport à ce proton ? Vous dites, ben, le proton va presque à la vitesse de la lumière, donc c'est la vitesse de la lumière moins une petite quantité, epsilon. Donc la lumière va par rapport à lui à la vitesse epsilon. On a tous cette idée que si on court après la lumière, à très grande vitesse, ben, on va finir par non pas la rattraper, encore moins la doubler, mais on va finir par réduire la distance qu'il y a entre elle et nous. Ben, ce que j'ai dit tout à l'heure avec Einstein, c'est que même quand un proton va presque à la vitesse de la lumière qui est devant lui va par rapport à lui à la vitesse de la lumière. D'accord ? Et alors, il faut beaucoup d'énergie pour accélérer des protons, et l'énergie qu'il faudrait pour accélérer des êtres humains dans les mêmes conditions, dans un vide parfait, etc., est tellement énorme que on peut même pas y songer. On va pas très vite, hein. Même avec des navettes spatiales, on va pas très vite. Hein. Les vitesses qu'on arrive à atteindre, c'est à peu près 10 000 km par heure contre 300 000 km par seconde. D'accord ? Donc on est très loin. Ce qui fait que, par exemple, je ne crois pas qu'on pourra aller dans une exoplanète à 40 années-lumière, puisque pour y aller à des vitesses très faibles, évidemment, si on allait à la vitesse de lumière, on pourrait y aller en 40 ans, 40 années-lumière. Mais à une vitesse de 10 000 km par heure, ça sera des millions et des millions d'années pour y aller, donc on n'ira jamais. N'en déduisez pas, parce que souvent on dit, Einstein a dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Bon, premièrement, Einstein n'a jamais dit ça. Je ne prétends pas avoir lu tout Einstein, hein, mais j'en ai quand même beaucoup lu. Il n'a jamais écrit cette phrase. Et il a raison de ne pas l'écrire, parce que c'est faux. Il y a toutes sortes de choses qui vont plus vite que la lumière. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on soit au bord de la mer. Ça, c'est un phare qui tourne. Donc, il y a un projecteur qui envoie de la lumière dans une certaine direction. Le phare tourne, d'accord ? Autour du phare, je vais mettre un écran cylindrique qui a un certain rayon que j'appelle grand R par rapport au centre qui est le phare. D'accord ? Donc, j'entoure le phare par un écran cylindrique et la lumière émise par le phare va donc se déposer sur l'écran et tourner en même temps que le phare. D'accord ? J'ai dit que j'appelais grand R le rayon du phare, j'appelle oméga la vitesse angulaire. Ça vous dit quelque chose, ces notations ? Alors, petite révision avant le bac, vous avez le temps. Quelle est la vitesse de déplacement du point sur l'écran ? Grand R, c'est le rayon, oméga, c'est la vitesse angulaire. Donc, la vitesse de déplacement, c'est le produit du rayon par la vitesse angulaire, c'est R oméga. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre un R très grand ? Rien. Qu'est-ce qui m'empêche en principe de prendre un oméga très grand ? Rien. Donc, je peux réaliser une expérience, au moins en pensée, dans laquelle R est suffisamment grand et oméga suffisamment grand pour que le produit R oméga soit plus grand que la vitesse de la lumière. Et on a fait cette expérience avec des faisceaux laser et un miroir tournant, et on a pu déposer sur un écran un faisceau de lumière dont la propagation sur l'écran va plus vite que la lumière. Pas de problème. Est-ce que ça viole la théorie de la relativité ?
Non. Non. Parce que ce n'est pas de la lumière qui se propage sur l'écran. Ce n'est pas une propagation de la lumière. C'est le dépôt de la lumière sur l'écran qui se déplace. Et donc, le dépôt de la lumière sur un point n'est pas l'effet du dépôt de la lumière sur le point d'avant. Ce n'est pas la causalité qui est mise en jeu dans l'affaire. Donc, on peut aller plus vite que la lumière dans ce genre d'expérience. Mais ce qui se déplace, ce n'est pas une particule. Ce n'est pas non plus de l'information. Donc, la relativité n'est pas du tout violée dans cette affaire. On peut faire des choses qui vont plus vite que la lumière. J'ai même un autre exemple plus simple à vous proposer. Prenez une paire de ciseaux avec une très longue lame. Prenez une feuille de papier. Ben je peux vous démontrer que vous pouvez couper la feuille de papier plus vite que la lumière. Ben oui, vous ferez le calcul. Mais quand vous coupez du papier avec une paire de ciseaux, qu'est-ce qui se déplace dans l'espace ? C'est le point d'intersection entre les deux lames. À mesure que vous pressez, les deux lames se referment et l'intersection se propage dans l'espace. Vous pourrez calculer qu'il est tout à fait possible d'imaginer que le point d'intersection entre les deux lames aille plus vite que la lumière sans que les lames elles-mêmes aillent plus vite que la lumière. Donc les lames se déplacent moins vite que la lumière, mais leur intersection va plus vite que la lumière. Donc demain, vous expliquerez, la semaine prochaine, vous expliquerez à votre professeur de physique qu'il est possible de couper du papier plus vite que la lumière. Vous demanderez à ce qu'il fasse expérience. Et s'il n'est pas d'accord ou s'il dit que vous vous trompez, vous me l'envoyez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, je m'appelle Lazare. Moi, ça m'a un peu perturbé pendant cette conférence parce que vous avez abordé plusieurs notions philosophiques. Par exemple, vous avez parlé de la vérité, ce qui était la vérité au début de cette conférence. Et après, vous avez donné pas mal d'exemples scientifiques. Et donc, j'aimerais savoir comment vous établissez un lien entre la philosophie et des notions qui sont abstraites et la physique et les sciences en général. Merci pour cette question qui est une question un peu difficile. J'y ai un peu réfléchi, mais je ne prétends pas avoir une réponse exhaustive. Moi, je me suis intéressé à la philosophie pour une raison assez simple, par une sorte de souci de cohérence. En fait, quand j'étais en terminale comme vous, je voyais que le professeur de philosophie nous parlait du temps en philosophie, en citant des grands auteurs comme Saint-Augustin, Kant, un peu plus tard j'ai découvert qu'Heidegger avait écrit sur le temps, etc. Donc la question du temps est une question que les philosophes ont abordée dès les origines de la philosophie, même si je ne sais pas si on peut parler d'origine de la philosophie et la dater précisément. En tout cas, les philosophes grecs de l'Antiquité en parlent. Bon. Et puis, quand je quittais le cours de philosophie et que j'allais en cours de physique, mon professeur nous parlait du temps. Par exemple, il écrivait l'équation de la dynamique de Newton, il y avait la variable t. Ou bien on faisait des expériences de chute des corps dans le vide et on montrait que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à la durée de la chute. Donc on écrivait V égale V proportionnelle à T, la durée de la chute. Et moi je me disais, mais ce temps dont parle le physicien là, le prof de physique, est-ce que c'est le même que celui dont parle le prof de philo ? J'en savais rien. Et je me disais, mais ou bien il parle de la même chose ? Ou bien il ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire le temps de la physique, ce n'est pas le temps de la philosophie. À ce moment-là, pourquoi c'est le même mot ? Par souci de cohérence, il aurait fallu nommer le temps des physiciens d'un certain nom, je ne sais pas quoi, chronos, et puis le temps des philosophes, on l'aurait appelé autrement. Mais le fait de les nommer de la même façon fait penser qu'ils sont identiques. Ou bien au contraire, ils parlent de la même chose. Mais alors, ce qui est plus grave, c'est qu'ils n'en disent pas la même chose. Quand un physicien parle du temps physique, il ne dit pas la même chose qu'un philosophe qui parle du temps. Donc, c'est la même chose, mais ils n'en disent pas les mêmes choses. Mais alors, à qui accorder du crédit ? Est-ce que je dois
accorder du crédit à mon prof de physique, à mon prof de philo. Donc nous, dans ma classe, je me souviens, on était à Louis-le-Grand, peut-être qu'il y a des élèves de Louis-le-Grand ici. Oui, il y en a. Louis-le-Grand. C'est un très bon lycée. Hein. Enfin, c'était un très bon lycée. On rêvait de faire venir le prof de philo dans le cours de physique. Et réciproquement. Et qu'ils discutent. Alors on avait fait même une pétition, et puis c'était impossible pour des questions de rétribution, etc. Bon. Mais c'est ça qu'il faut faire. Quand un prof de philo parle de l'atome de Démocrite, quel rapport entre l'atome de Démocrite et l'atome des physiciens? C'est le même ou c'est pas le même? Voilà, c'est ça qui m'a amené à réfléchir, avec l'idée que les physiciens, ils n'en sont pas restés à Newton. Il y a eu Einstein, je l'ai dit, et puis il y a eu d'autres choses que je n'ai pas évoquées en physique des particules. Et à propos de cette question du temps, les physiciens ont eu des résultats absolument incroyables, comme par exemple la découverte de l'antimatière. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais l'antimatière, ça nous dit des choses sur le temps, notamment sur l'impossibilité des voyages dans le temps. Et donc ces résultats, s'ils étaient pris au sérieux, viendraient modifier ou éclairer les réponses philosophiques que les philosophes font aux questions philosophiques sur le temps. Au lieu de séparer les disciplines, on devrait dire aux philosophes, regardez, les physiciens, ils ont découvert ça, le boson de Higgs, l'antimatière, ça dit des choses sur le temps. Est-ce que vous acceptez de les prendre en compte dans votre façon de traiter philosophiquement la question du temps? Bon, et ce travail-là, il est très peu fait. La meilleure preuve, c'est que cette année, plutôt en 2019, à l'agrégation de philosophie, le sujet qui a été donné au concours, c'est le temps. Eh bien, les candidats devaient lire une liste d'ouvrages qui étaient signalés dans la bibliographie, et il y avait Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson. Où est Einstein là-dedans? Où est Newton? Où est Boltzmann? Où est Dirac? Nulle part. C'est comme si on fait comme si la philosophie était autonome pour parler de ce sujet. Je ne dis pas non plus que la physique est autonome, je ne dis pas que c'est elle qui a autorité pour parler du temps. Mais on doit prendre en considération le fait qu'elle a obtenu des résultats spectaculaires qui nous disent des choses sur le temps. Et si on les laisse de côté, le risque, c'est qu'elles ne soient pas pensées. Puis on pourrait discuter, par exemple, on pourrait dire, c'est bizarre, Newton, il a appelé le paramètre T, que vous utilisez, je pense, hein, déjà. Vous avez déjà utilisé le paramètre T. Newton, il a appelé ce paramètre T, il l'a appelé le temps. Mais c'est bizarre qu'il ait fait ça, puisque ce paramètre T, il ne ressemble pas du tout à notre façon de parler du temps. Vous avez remarqué un truc incroyable. Quels sont ceux d'entre vous qui sont en terminale? Levez la main. Quels sont ceux qui sont en première? Ok, c'est à peu près moitié-moitié. Alors moi, je ne connais pas les programmes de lycée, je suis désolé, mais mes enfants sont trop grands. Mais que vous soyez en première ou en terminale, je pense que vous avez utilisé des équations dans lesquelles il y a T. Oui ou non? Oui. Il y a quand même un truc bizarre dans la façon de représenter le temps dans les équations. Le paramètre T, là. Et un truc bizarre, c'est qu'il ne dépend pas du temps. Vous avez remarqué ça? La façon de nommer l'instant T est indépendante du moment. Autrement dit, tous les instants du temps sont nommés de la même façon. Autrement dit, T désigne une fonction qui ne dépend pas du temps. Incroyable. Ça veut dire que le temps, en passant, ne change pas sa façon d'être le temps. Donc le temps dont on dit qu'il est le changement, ou qu'il se confond avec le changement, c'est le truc le plus invariant de l'univers. Donc pour un philosophe, ça devrait faire bizarre. De plus, nous parlons du temps comme s'il ressemblait au phénomène temporel. Quand il y a un colloque sur le temps, on fait venir un biologiste qui parle du temps
biologique. On fait venir un psychologue qui parle du temps psychologique, un physicien qui parle du temps physique, etc. Bref, on fait comme s'il y avait autant de sortes de temps qu'il y a de disciplines différentes. Mais si le temps ressemble au phénomène temporel, s'il y en a autant qu'il y a de phénomènes temporels, de sortes de temps, c'est plus un concept intéressant, on laisse tomber. On parle de temporalité, etc. Vous voyez, il y a plein de contradictions. Et ce qui serait intéressant, et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent, c'est de justement tenter de clarifier nos discours ordinaires sur le temps en tenant compte de ce que nous savons. C'est-à-dire en sortant des hypothèses, des grands systèmes, des constructions intellectuelles qui peuvent être très brillantes. Mais par exemple, vous avez des philosophes qui défendent des thèses qu'on appelle corrélationnistes, des gens comme Kant ou Searle, des gens qui vous expliquent que le temps n'existe pas sans nous. Nous sommes, il n'y a pas de temps sans un sujet comme un sujet conscient qui perçoit le temps. C'est une thèse parfaitement défendable, qui est d'ailleurs très étayée par différents systèmes, avec des auteurs prestigieux comme ceux que j'ai cités. Ok, très, très bien, le temps dépend du sujet. Le temps, pour exister, réclame une conscience qui en a conscience. Bon, chouette. Maintenant, vous apprenez au XXe siècle que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, et vous apprenez que l'humanité y est apparue avec sa conscience il y a quelques millions d'années. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Très bien. Mais alors, si vous pensez que le temps pour passer a besoin d'une conscience qui en est conscience, comment le temps a-t-il pu passer avant que la première conscience permette qu'il passe? Voilà. Voilà une question pour les philosophes qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité. C'est si vous pensez que le temps dépend de la conscience, comment a-t-il pu passer avant l'apparition de la première conscience? Ben voilà une question intéressante. Voilà une question intéressante. Et il est dommage qu'à la création de philosophie, on n'ait même pas besoin de l'évoquer. Parce qu'on fait comme si les systèmes philosophiques étaient fermés sur eux-mêmes et ne devaient jamais confronter ce qu'ils disent à des résultats positifs qui viennent de la science. Donc il ne s'agit pas de coloniser la philosophie par la physique ou par la science. Il s'agit de les faire dialoguer pour voir si elles n'auraient pas des choses à se dire sur certains sujets. Et donc peut-être que vous, vous avez le moyen, sur certains sujets, de convoquer le prof de philosophie en cours de physique et réciproquement et de voir ce que ça donne. Mais ce serait passionnant. Ce serait passionnant. Et la question, c'est pourquoi on se prive de discussions passionnantes? Parce qu'on ne va pas se mentir. Un cours de physique, ça peut être très emmerdant. Un cours de philo, ça peut être très emmerdant. Mais dès que vous créez un point de contact, ça devient excitant. Alors pourquoi s'en priver? Je parle des cours que j'ai suivis. Hein. Je ne parle pas de ceux que vous suivez qui sont, je le sais, absolument passionnants. Bonjour. Alors moi, ce serait ma question, ce serait est-ce que le temps peut le temps existe parce que l'espace existe? Autrement dit, admettons. Excusez-moi, je vous entends mal à cause du masque. Alors je ne sais pas si. Voilà. Je l'enlève alors. Peut-être. Ou... Est-ce que le temps peut exister dans le néant, admettons, avant le Big Bang? Le temps existe-t-il parce que l'espace existe? Bon, ça, c'est un gros sujet. Je ne sais pas si, combien de temps vous me donnez, mais... Déjà, vous voyez, souvent, on dit que les physiciens ont démontré que l'origine de l'univers, c'est le Big Bang. Une sorte de grande explosion originelle qui a créé l'espace, le temps, la matière, l'énergie, la lumière, etc. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Bon. Alors déjà, quand vous parlez de l'origine de l'univers,
quand vous la nommez, vous contestez qu'elle existe. Alors, je vais m'expliquer. C'est un peu compliqué. Mais on va, avant de parler de l'univers, on va parler des choses qui sont dans l'univers. Bon, vous savez que dans l'univers, il y a des étoiles, par exemple, il y a des planètes, il y a des galaxies, il y a des atomes. Et au XXe siècle, on était capable de comprendre la généalogie de la formation, par exemple, des atomes. Vous avez dans vos salles de classe le tableau périodique de Mendeleïev, qui commence avec l'hydrogène. Pour les éléments naturels, ça va jusqu'à l'uranium. Après, il y a ce qu'on appelle les transuraniens, c'est dans le tableau. Et bien aujourd'hui, on est capable de raconter l'histoire de la formation de ces atomes. Les plus légers ont été formés dans les trois premières minutes après le Big Bang. Ceux qui sont jusqu'au fer ont été formés dans des étoiles, comme le Soleil. Et ceux qui sont encore plus lourds ont été formés dans des, ce qu'on appelle les supernovas, qui sont des étoiles qui explosent. Et quand elles explosent, il se passe des choses qui permettent la formation d'atomes plus lourds. Tout ça est parfaitement compris. Et donc on dit, on a compris, on est capable de décrire l'origine des atomes. Mais quel est le sens du mot « origine » dans cette phrase ? Raconter par exemple comment a été formé l'oxygène, c'est raconter l'ensemble des réactions nucléaires qui se sont produites avant l'apparition de l'oxygène, dont l'oxygène est la conclusion. Donc raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui l'a précédée et dont elle est l'achèvement. Donc le mot origine pour un physicien veut dire conclusion. D'accord ? De même que si moi je vous demande votre origine, vous allez me parler de vos parents, de vos grands-parents, etc. Vous allez me raconter une histoire dans laquelle vous n'étiez pas, dont vous êtes l'achèvement. Ok ? Alors maintenant, la question qui vous intéresse, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, c'est plus l'origine des choses qui sont dans l'univers, c'est l'origine de l'univers lui-même. Mais si j'applique la même méthode, je vais devoir raconter l'histoire qui s'est déroulée avant l'univers, dont l'univers est l'achèvement. Donc je suis en train de dire, avant l'univers, il y avait déjà quelque chose. Mais s'il y avait quelque chose avant l'univers, c'est que l'origine dont je parle n'est pas l'origine de l'univers. Et donc, la question de l'origine, selon qu'on l'adresse à des objets qui sont dans l'univers ou à l'univers lui-même, ne revêt pas du tout la même signification. Penser l'origine de l'univers, la prendre au sérieux, c'est comme vous l'avez fait, considérer que l'univers a été précédé par du néant. Rien, absolument rien. Ce dont on n'a pas la preuve, on ne sait pas du tout si avant le Big Bang il y avait quelque chose ou pas. On est capable de raconter l'histoire de l'univers primordial. Mais autour de vous, il y a des gens qui prétendent connaître l'origine de l'univers. Qui disent par exemple, l'origine de l'univers, c'était, je ne sais pas, Dieu, ou bien le vide quantique, ou bien un océan primordial, si on prend les cosmogonies, ou bien un œuf primitif, ou bien je ne sais pas quoi, le chaos, le tohu-bohu. Il y a plein d'histoires qui racontent l'origine de l'univers. Mais vous voyez que toutes en parlent, mais aucune ne l'a dit. Parce que raconter l'origine de l'univers, c'est en fait dire avant tout, il y avait ça. Très bien. Mais cette chose que vous désignez comme étant l'origine, ou bien elle a toujours été là. Mais s'il y a toujours eu quelque chose, l'univers n'a pas d'origine. Il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là. Ça veut dire qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas l'origine. Elle a été précédée par quelque chose. Et donc, à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous prononcez une phrase qui contredit le fait que cette chose que vous avez mise à l'origine soit l'origine. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, j'ai écrit un livre là-dessus, hein, je ne veux pas faire d'autopromotion, mais comme je vois bien que je ne suis pas très clair, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ce qui est sans être tout à fait » sur le statut du néant et du vide. Et vous voyez qu'on bloque... On tombe sur un problème presque conceptuel. Parce que, comme je vous l'ai dit, décrire vraiment l'origine de l'univers, c'est décrire comment le néant
où rien n'existe et qui peut-être lui-même n'existe pas, a pu cesser d'être lui-même. Et sans faire de Raymond Devos, on voit bien que un néant qui peut cesser d'être le néant, c'est déjà quelque chose, quoi. D'accord ? Et vous voyez qu'il y a tous les paradoxes qui, philosophiques d'ailleurs, qui ont été vus par les philosophes il y a très longtemps. Le néant, l'idée de néant que vous avez en tête, comme le disait Bergson, c'est une idée qui est destructrice d'elle-même. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que si vous tentez de penser le néant, de vous l'imaginer, de vous le représenter, en fermant les yeux, faites de la méditation et je vais dire j'essaie de penser le néant. Mais vous allez voir que vous le vouliez ou non, vous allez en faire quelque chose. Vous allez lui attribuer une matérialité, une spatialité, une corporéité qu'il ne peut pas avoir puisqu'il est le néant. Autrement dit, penser le néant, c'est le faire être. Et en le faisant être, vous le niez. Alors pour le dire de façon plus triviale, penser le rien n'est jamais penser à rien. D'accord ? Et donc, la question de l'origine, dont on parle avec beaucoup d'aisance, avec familiarité, c'est une question abyssale qui pose toutes sortes de paradoxes. Et je ne crois pas du tout que nous la résoudrons un jour. C'est un mystère total, et pas du tout une énigme. Depuis tout à l'heure, du coup, on aborde le sujet un peu de la vérité. Et depuis tout à l'heure, on aborde le sujet de la vérité. Et donc, est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut établir une vérité universelle, entre guillemets, enfin, qui soit vraie pour toutes les formes qu'on peut attribuer ? Est-ce qu'on peut avoir une vérité universelle, c'est ça ? Ah oui. Bon, là, je ne voudrais pas réciter une forme de catéchisme, mais je pense que ce que j'ai appelé tout à l'heure les vérités scientifiques ou les vérités de science sont en principe des vérités universelles. Au sens où quelqu'un qui suivrait le raisonnement qu'on a suivi pour les établir arriverait aux mêmes conclusions. C'est un peu naïf, mais quand vous allez au CERN, ce laboratoire européen qui est à Genève, où collaborent des physiciens du monde entier sur la physique des particules, il y a des physiciens chinois, des physiciens américains, européens évidemment, d'autres, ils font la même physique. Ça ne veut pas dire que leur lecture culturelle de la physique soit la même. Par exemple, sans vouloir le dire de façon trop générale, parce que à mon avis, ce n'est pas si simple, mais les physiciens chinois ne se posent pas la question de l'origine. Parce que dans la langue chinoise, on ne désigne pas des choses, on désigne des processus. Donc, ils voient l'univers comme une suite de processus indéfinis. Il n'y a pas d'origine. Il y a une sorte de continuation. Et donc, nous, occidentaux, nous pensons, parce que notre culture nous y porte, la religion aussi, que l'univers est le résultat d'une création. Donc, on a une façon de lire ces questions qui est sans doute spécifique, alors que les Chinois n'utilisent pas cette notion de création. Donc, par contre, les équations... Quand un Chinois fait de la physique quantique, il prend l'équation de Schrödinger, comme nous. Et quand il fait de la relativité, il prend la même que nous, etc. Donc il y a une sorte d'universel. Mais aujourd'hui, je crois que cet universel est contesté avec l'idée que la science, c'est en fait une sorte de culture qui s'est imposée. Et il y a des mouvements américains ou canadiens de décolonisation de la physique qui sont proposés, puisque... Quand vous faites l'histoire de la physique moderne, celle qui commence avec Galilée, vous ouvrez un livre d'histoire ou un livre de physique même et vous voyez que les noms, Galilée, Newton, Maupertuis, Boltzmann, Zermelo, Gibbs, Einstein, Lorentz, Poincaré, Heisenberg, Dirac, Pauli, Oppenheimer, etc. C'est que des Européens. Donc il y a des gens qui disent mais c'est pas normal, c'est une forme de colonialisme culturel et il faut montrer que d'autres ailleurs avaient les mêmes idées, etc. Bon, moi je pense que peut-être qu'ils ont eu les mêmes idées, mais ça ne relativise pas la puissance de ces théories. D'accord ? Peut-être qu'on oublie des noms, mais de là à déboulonner la statue de Newton au motif qu'il était un mâle blanc hétérosexuel, alors même qu'il est mort puceau, donc c'est ce qu'il a dit sur son lit de mort, ça me paraît un peu fort, si vous voulez. Alors, moi, je pense que
La science est née ailleurs qu'en Europe. Par exemple, l'algèbre est née dans les pays arabes. L'optique est née au Xe siècle dans les pays arabes. Quand Alhazen manipule des dioptres, des prismes, il trouve des lois. Bon. Mais l'invention européenne radicale, c'est celle dont vous êtes les héritiers, à savoir que Galilée dit les lois de la nature peuvent s'exprimer grâce aux mathématiques. Et c'est ça la physique moderne. Alhazen n'écrit pas d'équations. Voilà. Il n'y a pas. On peut discuter, dire que c'est un abus de pouvoir, mais c'est cette stratégie-là qui a rendu la science efficace. Et je pense qu'elle est tellement efficace que on ne peut plus dire que la science est une simple construction sociale qui en dirait plus sur les scientifiques qu'elle n'en dit sur la nature. Ça me semble être devenu complètement fou parce que ça devient l'argument philosophique de la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que si vous dites la théorie de la relativité, c'est pas pour moi, parce que de toute façon, c'est une construction sociale, c'est né à Berne avec Einstein, ça vaut pour certaines personnes. Ben, si vous pensez ça, mais pourquoi vous iriez l'apprendre ? Vaut mieux aller dehors, il fait beau, avoir des loisirs, plutôt que de passer du temps à apprendre la théorie d'Einstein ou la théorie des champs. Voilà. Et il y a aussi des gens, et vous les entendez sûrement, qui disent « Oh mais bientôt, on n'aura plus besoin de théorie physique parce qu'on a l'intelligence artificielle et on a le big data. » Avec l'idée que le réel va parler plus grâce aux données numériques qu'il va nous livrer, qu'on analysera par des algorithmes, et on en saura plus sur le monde que par les équations. Peut-être qu'un jour, c'est vrai. Mais maintenant, faites l'expérience de pensée suivante. Vous savez que Galilée a compris que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Il l'a découvert alors qu'on ne savait pas faire le vide à l'époque. Et d'ailleurs, on ne savait pas, les gens pensaient que le vide n'existait pas. Donc posez-vous la question, comment est-ce que Galilée a pu comprendre qu'une bouteille d'eau que je lâche en même temps qu'une plume va tomber à la même vitesse que la plume? Il peut faire toutes les expériences qu'il veut, c'est toujours la bouteille qui tombera la plus vite. Et il dit, non, il tombe à la même vitesse. Ce qui est le contraire de ce qu'on voit. Comment il a pu trouver ça? Pas en faisant des expériences. Parce que les expériences auraient donné raison à Aristote qui disait, plus c'est lourd, plus ça tombe vite. Ce qui est exactement ce qu'on voit. Non. Galilée, il invente un stratagème intellectuel incroyable qu'on appelle une expérience de pensée, qui consiste à dire qu'est-ce qui se passerait si Aristote avait raison, et à imaginer des situations qui permettent ce qu'implique la loi qu'on croit vraie dans ces situations, qu'on peut penser mais pas réaliser. Donc, je prends ma bouteille, je prends ma plume. Et c'est là que Galilée se met à parler, dans son bureau, pas d'expérience. J'imagine qu'Aristote a raison. Je suppose qu'il a raison. C'est-à-dire que la bouteille, si je la laisse tomber, va tomber plus vite que la plume. Ça, c'est l'hypothèse. Maintenant, je joue avec cette hypothèse. Je prends la plume, je la relie par une ficelle, je l'attache par une ficelle à la bouteille. Donc l'ensemble formé par la bouteille et la plume est plus lourd que la bouteille. D'accord ? Je laisse tomber l'ensemble par la pensée. C'est plus lourd que la bouteille, donc si Aristote a raison, et j'ai supposé qu'il avait raison, l'ensemble formé par les deux va tomber plus vite que la bouteille, seul. Voilà la conclusion. Ah oui, mais... La plume, elle tombe moins vite, donc elle va tendre la corde. Elle va tendre la corde dans la chute. Et elle va faire office de parachute. Donc elle va freiner la chute de la bouteille. Donc l'ensemble formé par les deux corps tombe moins vite que la bouteille. Voilà.
Galilée, 1604. Il a compris que dans la loi d'Aristote, que tout le monde enseigne depuis des siècles, sans jamais la contester, puisqu'elle est conforme à l'observation, elle contient un paradoxe interne. Puisque appliquée à la situation que je viens de décrire, elle oblige à conclure que ça tombe plus vite que la bouteille et que ça tombe moins vite que la bouteille. C'est impossible. Comment résoudre le paradoxe ? En disant que la plume tombe à la même vitesse que la bouteille, ce qui est le contraire de ce qu'on voit. Et après, au lieu de dire que la loi est fausse, on va réinterpréter l'observation en disant, quand on fait tomber des corps dans l'atmosphère, il y a la gravité qui les fait tomber tous à la même vitesse, mais il y a d'autres forces, pression de l'air, poussée d'Archimède, résistance de l'air, disons, qui font que la plume va tomber moins vite que la bouteille. On change complètement l'explication. Maintenant, j'en viens à la question. Imaginez qu'aujourd'hui, par le Big Data, on fasse tomber des milliards d'objets dans l'atmosphère, de toutes les formes, de toutes les masses, dans toutes les conditions possibles. Et on enregistre les vitesses, les positions, les accélérations de tous ces corps. On les fait mouliner par un algorithme. Et cet algorithme, évidemment, il deviendra capable de vous dire, de façon prédictive, comment n'importe quel corps qu'on lâche dans l'atmosphère se déplace, tombe, ou même remonte s'il est très léger. Et donc, vous aurez une connaissance de la chute des corps bien plus précise que la loi qui est un peu qui tient pas compte des conditions particulières de l'air, etc. Bon. Maintenant, est-ce que vous pensez sérieusement que ces algorithmes qui permettent d'écrire la chute des corps dans l'atmosphère seraient capables de vous dire, en conclusion, dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse? Non. 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 Donc avoir des données ne permet pas forcément de découvrir les lois. Pensez à Einstein en 1915. Il écrit la gravitation. Il décrit la gravitation par la théorie de la relativité générale, qui est la théorie qu'on utilise aujourd'hui au laboratoire pour faire de la cosmologie. Donc un siècle plus tard, plus d'un siècle, on utilise la théorie d'Einstein. Qu'est-ce que Einstein savait sur l'univers en 1915 par rapport à aujourd'hui? Mais rien. Rien. On voyait des étoiles, on ne savait même pas d'où il vient qu'elles brillent. On ne connaissait pas les forces nucléaires, on ne comprenait pas qu'elles puissent produire de la lumière. On pensait que c'était chauffé par je ne sais pas quoi, il y avait plein de trucs. Même Auguste Comte disait on ne pourra jamais savoir d'où vient que les étoiles brillent. En 1915, on ne le sait pas. On connaît comme objets célestes les galaxies, même pas, on les appelle les nébuleuses, les étoiles, les planètes, les astéroïdes à peine, les comètes un peu. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas que l'univers est en expansion. Et surtout, on ne sait même pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Bref, par rapport à aujourd'hui, on ne sait rien. N'empêche qu'Einstein trouve les bonnes équations, sans données. Depuis un siècle, on n'arrête pas d'avoir des données par les satellites, les télescopes, les accélérateurs de particules. Et on utilise toujours les équations d'Einstein qui n'ont jamais été démenties par l'observation. Maintenant, faites l'expérience de pensée suivante. Imaginez qu'on ait aujourd'hui toutes les données que nous avons, exactement les mêmes, mais on n'a pas les équations d'Einstein. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un algorithme à qui on donnerait toutes ces données pourrait redécouvrir les équations d'Einstein? Non. Non. Ben moi, je suis persuadé que non. D'accord? Donc, les physiciens comme Einstein ou Galilée sont des gens qui ont fait des expériences de pensée qui leur ont permis de faire un écart par rapport à l'observation, par rapport aux données, en réfléchissant. Et pour vous donner un exemple, on a dit qu'on s'arrêtait à 4 heures. Donc. Ouais, il faut que je m'arrête bientôt. Mais l'expérience de pensée d'Einstein, ce n'est même pas une expérience de pensée. C'est en 1907, il était à Berne, au bureau des brevets, employé de deuxième classe, à examiner des brevets pour un office des brevets. Et en rentrant de déjeuner, un jour de novembre, il a, dit-il, eu l'idée la plus heureuse de sa vie.
Alors, en quoi consiste l'idée la plus heureuse de la vie d'Einstein? Il suffit de le lire. J'ai compris ce jour-là qu'un corps en chute libre, une personne en chute libre, il dit même, une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Alors, pour le vérifier, il ne s'est pas jeté par la fenêtre. Hein. Il a simplement pris au sérieux ce que vous apprenez au lycée. Vous avez appris au lycée que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc, je me jette dans le vide avec une bouteille qui n'a pas la même masse que moi. Mais elle va tomber à la même vitesse que moi puisque tous les corps tombent à la même vitesse. Qu'est-ce qui fait que je tombe? Ben, je subis la gravitation. Je tombe sous l'effet de la gravitation. Mais alors que je suis en train de tomber, je vois que la bouteille qui tombe avec moi tombe comme moi. Donc elle est là, elle tombe comme moi, à la même vitesse que moi, c'est-à-dire sans vitesse par rapport à moi. Donc je la vois en lévitation. Einstein, il n'a rien découvert là. Il n'a fait que lire, de prendre au sérieux ce que dit Galilée. Vous tombez sous l'effet de la gravitation et la chute que la gravitation engendre fait disparaître la gravitation qui vous fait tomber. Et je me dis, c'est quoi ce bazar? Le fait de subir la gravitation annule la gravitation. Et c'est ça qui va le mener au principe d'équivalence, etc. Je n'ai pas le temps de raconter l'histoire. Mais vous voyez que c'est une réflexion toute simple. C'est une réflexion toute simple. Est-ce qu'un algorithme qu'on gaverait de données obtenues en enregistrant des chutes de corps multiples serait capable de raisonner de cette façon? C'est-à-dire de questionner ces données en prenant un écart par rapport à ce qu'elles disent? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre des tas de choses grâce aux données, en climatologie, etc. Mais pour trouver des lois physiques, je ne crois pas que les données soient le bon outil, puisque toute la physique s'est construite sans données. Et il y a même beaucoup de données qu'on a fini par obtenir grâce aux équations. Vous savez, l'exemple, c'est Maxwell qui écrit les équations de Maxwell, dont une solution, c'est les ondes électromagnétiques. Et c'est bien après que Hertz va démontrer l'existence des ondes électromagnétiques. Sans les équations, on ne les aurait pas vues. Le boson X, c'est pareil, les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Et donc, les équations permettent de découvrir des objets physiques qu'aucune donnée n'avait permis de distinguer ou d'identifier. Et donc, à l'école centrale où j'enseigne, il y a un grand débat entre les profs. Il y a ceux qui disent qu'il faut apprendre aux élèves ingénieurs les théories physiques. Bon, les profs qui disent ça, c'est les vieux comme moi. Et puis il y a les jeunes profs là, qui disent non, pas la peine, c'est ringard. Il faut qu'ils apprennent à coder dans tous les langages. Voilà, c'est la querelle des anciens et des modernes. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens codent. Hein. Mais dans cette querelle des anciens et des modernes, vous avez compris que je fais partie des anciens, quoi. Bonjour. Excusez-moi, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais est-ce que vous pensez que l'accélération des particules peut nous permettre de voyager dans le temps? J'ai pas entendu de permettre de voyager dans le temps, mais j'ai pas entendu le début. Est-ce que vous pensez que l'accélération des particules peut nous permettre de voyager dans le temps? Ah, l'accélération des particules? Ben non. La réponse est non. Mais d'abord, attendez. Qu'est-ce que vous appelez voyager dans le temps? Parce que regardez, il y a des tas de romans de science-fiction qui racontent des voyages dans le temps. Il y en a même un récemment qui s'appelle Tenet. Bonne chance à ceux qui iront le voir et qui espèrent comprendre quoi que ce soit. Mais vous voyez, quand vous lisez des romans de science-fiction qui racontent un voyage dans le temps, en général, après 10 pages, vous êtes complètement perdu.
Pourquoi ? Parce que personne n'a jamais raconté un voyage dans le temps. Quand on raconte un voyage dit dans le temps, en fait, on raconte l'histoire d'un voyageur temporel qui a son temps propre, qui voyage dans un autre temps que le sien. Et donc, les seules choses qu'on soit capable de raconter, c'est le voyage d'un temps dans un autre temps. Donc, il en faut deux. Et si vous dites qu'il n'y en a qu'un seul, il devient cette chose dans laquelle vous ne pouvez pas voyager. Ensuite, qu'est-ce que vous entendez même quand vous utilisez cette expression ? On est en 2020, vous pouvez imaginer retourner en, je sais pas, en 1927, mais il y a une question qui se pose. En retournant en 1927, est-ce que vous allez pouvoir... est-ce que vous vous souvenez que vous avez vécu en 2020 ? Est-ce que vous allez intégrer ce que vous savez dans la projection vers le passé ? Autrement dit, en 1927, est-ce que vous aurez les connaissances de 1927, la psychologie de 1927, ou est-ce que vous allez arriver en 1927 avec votre psychologie d'aujourd'hui ? Je ne vous le souhaite pas. Parce que si vous êtes en 1927, vous prenez n'importe quelle date du passé, ça marche pareil. Vous pouvez dire, c'est fascinant, 1927, il y a le congrès Solvay à Bruxelles, c'est là que Einstein et Bohr discutent de la mécanique quantique, c'est génial, je vais assister à leur discussion à l'hôtel Métropole, c'est le pied. Et donc, vous pouvez rêver de retourner dans le passé. Mais si en 1927, vous avez une rage de dents, et si vous savez qu'après, dans la suite de l'histoire, on a inventé des produits qui permettent d'aller chez le dentiste sans avoir mal, vous n'aurez jamais le courage d'aller chez le dentiste en 1927 avec les techniques des dentistes de 1927. Donc personne d'entre nous ne serait capable de supporter psychiquement la vie dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Évidemment, les gens de 1927, ils étaient capables de vivre en 1927. Évidemment. Mais vous, qui connaissez d'autres choses qu'eux, même vous, je vous connais, les jeunes, sans votre portable, vous êtes morts, psychologiquement. Ben, en 1927, il n'y avait pas de portable. Mon fils m'avait dit un jour, quand il était petit, « Mais papa, comment vous faisiez pour avoir Internet avant les ordinateurs ?» Donc vous avez du mal. Vous avez du mal à rétroprojeter dans le passé la vraie situation. Les jeunes filles apprendraient qu'elles n'ont pas le droit de vote, etc. Ce serait insupportable. La vie dans le passé pour quelqu'un de 2020 serait insupportable. Et j'ai lu récemment un sondage qui montre qu'en France, seulement 17% des jeunes gens ont envie de vivre dans le futur. C'est une question un peu bête parce que je ne sais pas où ailleurs que dans le futur vous espérez vivre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'appétit pour le futur. C'est comme si on était prisonnier du présent. On ne peut pas retourner dans le passé parce qu'on ne tiendrait pas le coup. Et le futur qui s'annonce ne nous fait pas envie. Donc on est bloqué dans le présent en attendant que ça passe. Mais un futur, ça se construit, quoi. Ça se prépare, ça se désire. Et donc c'est le travail qui vous appartient de faire, parce que pour moi, comme disait Woody Allen, je m'intéresse au futur, parce que c'est là que je compte passer l'essentiel de ma vie. Et ça vaut plus pour vous que pour moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite... Je vous souhaite bonne chance pour le bac. Mais avec 95% de réussite, je pense que c'est gagné.